qu'on s'était quitté la dernière fois, vous étiez tous en train de prendre un bain propre et soyeux dans les égouts de la ville, alors que des pluies torrentielles étaient en train de s'abattre sur la ville de Vix. Pluie qui était attendue, ma foi, avec grande impatience par la population, mais malheureusement la terre n'est absolument pas apte à absorber toutes ces eaux qui coulent en trombe, et le niveau monte dangereusement dans les égouts. Alors, de fait, vous vous êtes fait effectivement agresser par des créatures dont je tairai le nom parce que je suis incapable de le prononcer. Et vous avez survécu. On s'était arrêté là-dessus. Vous êtes en train de vous d'être guidé grâce aux boussoles amoureuses, donc qui pointent dans la direction, a priori, du sac de l'autre extrémité du sac magique, et vous espérez que ça vous guide vers l'antre du roi. Ça ressemble pas au plot du dernier film Star Wars. Donc vous êtes en train d'avancer tranquillement dans les eaux. Alors, j'aimerais vous dire dans les eaux boueuses, parce que de fait, il y a des matières qui flottent et qui s'accrochent assez facilement à vos pantalons Quand tu dis matière, et, c'est pareil que ce que je pense ou et, pas? et vos robes, enfin, sauf à la robe de Berthold, puisque Berthold, L'enfoiré, il vole. comme tout magicien qui se respecte toujours un peu. Je peux essayer d'attraper les pompons. Donc, que faites-vous? Eh bien, nous avançons en suivant les boussoles. On continue de suivre là. En accélérant. Tu pourrais nous remettre le nouveau chargé de plan, s'il te plaît? Moi, je sais plus, j'étais sur les oui, épaules de. Pas vraiment. Merci. Ça va, dans ce que je l'ai plus de mon côté. J'étais sur les épaules de Ravabella, ouais, non? C'est pas ça? Oui. Ah, t'étais sur les épaules de Ravabella, effectivement. Oui. Non, c'est ce plan-là. Sous les égouts. Bon, après, si c'est pas important, le plan, pas à peine. Hein. Non, c'était un plan. C'était un plan sorti juste, voilà, égout, c'était un plan sorti juste pour la bastion. Et je reste bien, voilà, ouais, j'avais un doute, c'est pour ça. Je reste bien sur les côtés à chaque fois en me disant que bon, si je vais trop près du centre, je risque de disparaître dans la fiente et la bonne humeur. Oh non! Alors, en fait, les égouts de Vix sont assez particuliers au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que, en gros, au fur et à mesure que vous avancez et qu'un schéma se dessine dans votre tête, vous avez l'impression que c'est construit sur la base d'une. Comme une toile d'araignée, en fait, en quelque sorte. C'est-à-dire que vous avez des artères principales qui remontent, que vous êtes en train de monter, d'ailleurs, qui remontent vers des centres névralgiques, en fait, qui aspirent l'eau et qui ensuite la redirigent quand elle peut. Parce que là, ça a l'air d'aller en contre-courant, mais qui la redirige vers des évacuations. Et vous avez d'autres petits canaux, d'autres petits boyaux beaucoup plus étroits qui semblent interconnecter ces artères en hémicercle, en fait, donnant vraiment cet aspect toile d'araignée. Vous savez tous à quoi ressemble une toile d'araignée. Bon, alors vous imaginez une toile d'araignée d'une araignée bourrée au cannabis. Voilà, donc ça vous donne un petit peu le schéma. Il y a en fait. Des expériences menées sur les araignées et sur le cannabis. Eh ben, et bien, justement, vous tombez sur un troupeau d'araignées géantes. Alors, je suis presque sûr que oui, puisque je me souviens d'une encyclopédie de mon père où il y avait effectivement des toiles d'araignées, et il y avait une toile d'araignée toute moche d'une araignée qui avait été droguée. Ah et oui, c'était le résultat de l'expérience. Donc j'avais trouvé ça assez rigolo. Par contre, je ne trouve pas mon jeton. Alors, mais non, mais sur ce plan, n'y fais pas attention. Donc on croise des araignées qui ont des rastas, c'est ça? Et alors, vous avancez, au bout d'un moment, vous tombez sur une autre intersection, et là encore, c'est compliqué de prendre le contre-courant, mais vous y arrivez finalement, après de multiples luttes. Et justement, en parlant d'un de ces fameux boyaux latérales, au bout d'un moment, vous passez devant un des boyaux, en fait, sur votre droite, et vous constatez qu'en fait, la boussole, petit à petit, l'angle de la boussole pointe vers ce boyau. Sauf qu'en fait, lorsque vous entrez dans ce boyau, vous avez l'impression que ça ressemble plus à un cul-de-sac qu'à autre chose, en fait.
Il n'y a pas de... C'est vraiment un cul-de-sac, hein, pour le coup. C'est... L'eau, d'ailleurs, y est relativement stagnante. Il n'y a pas de... Ça ne mène pas à des échelles. C'est juste un cul-de-sac. Et là... Dis, vous, c'est l'amoureuse ? Là, elle pointe tout droit vers ce mur. Mur passage secret, mur dérobé, truc du genre. Bon, bah, je vais vers le cul-de-sac. Hein. J'ai dit priori, ça, mur. Je l'ai dit à vote, hein, tout ça. Oui, de toute façon. Je vais au fond et je vais commencer à tâter les pierres pour voir si on n'a pas une qui est amovible. C'est le gros stéréotype du passage secret. Donc c'est un boyau qui est quand même. C'est un boyau qui est étroit, quoi. Alors. Il est assez étroit dans le sens où là où les autres vous tenez, enfin si vous aviez pu vous mettre en randonnion, vous pourriez tenir les cinq côte à côte sans problème. Là, il n'y a que deux ou trois personnes côte à côte qui sont capables de rentrer dedans. Voilà. D'accord. Vous êtes obligé de vous suivre plus en file indienne et tu es même toi obligé de descendre des épaules et oui c'était ça en fait ma réaction hauteur, c'est ouais. Je me tape le truc, je rappe la tête sur le plafond et je dis c'est un peu ça, c'est à dire que tu dois descendre et t'accrocher plus bas. D'accord. Et donc du coup comme dit je commence à examiner les murs en me disant que vu que ça a l'air d'être l'endroit où on est censé aller, je me dis qu'il y a peut-être pour éviter que d'éventuels gêneurs trouvent leur petit coin de paradis, il doit y avoir un moyen de le cacher, que ce soit physique ou magique, hein. Enfin mécanique ou magique. Peut-être un caillou dans les murs. Pour voir si l'un d'eux est une illusion. Tu balances un caillou. Alors, le mur n'est pas une illusion, promis. Il est tout à fait tangible. Alors, je me tourne vers Croc et je dis, c'est une illusion, vas-y, fonce. J'ai pas pied. Tu veux que je te lance ? Alors, vous pouvez, ceux qui cherchent le mur, ceux qui tâtonnent le mur, peuvent me tenter un test de d'intelligence. Oui, mais je ferme la marche alors. Alors, sachant que ça relève plus de la logique qu'autre chose, donc les bonus de connaissances ne comptent pas. Éduquer, on oublie. Il va falloir mettre la tête sous l'eau. Moi, je vous laisse faire, j'attends juste que quelqu'un crève. Hein. Pardon, j'avais pas vu que la carte prenait toute la... Ah, c'est ça que j'ai oublié, le petit truc avec le résumé de mes compétences, de mes... Voilà, je pense qu'il va falloir mettre la tête sous l'eau. Ou pas, je sais pas ce que je fais. Non, je continue de chercher mon mur. Je reviens, je cherche un truc. Donc je m'entraîne à faire de l'apnée. Mais... Ah voilà. Très beau roleplay. Hein. J'ai que deux tests d'intelligence là pour le coup. En fait, il y a que deux personnes qui ont cherché, c'est ça ? Ben, moi, étant donné que je suis accroché à Ravabella, je peux difficilement tâter le mur. Et moi, je sais pas, je suis en capacité de faire quelque chose. Prêt. Enfin, en tout cas, je tâte plus Ravabella que le mur. Tu trouves une pierre amovible dans le soutien-gorge de Ravabella. Probablement un bijou elfique ou tu ne sais pas trop. Et tu remarques qu'il y en a une seconde, il y a sa jumelle de l'autre côté. Il fait froid, non ? C'est... Alors... La forme d'étoile sur la drogue. D'accord. Ok. Ah bah voilà, oui, voilà, on est d'accord. Donc non, en fait, vous tâtez le mur et vous ne trouvez pas de pierre. Pourtant, vous voyez bien qu'il y a des petites bulles d'air qui semblent s'échapper de certaines aspérités du mur. Jetant le doute sur le fait qu'il y ait une certaine absence d'étanchéité. Mais vous ne trouvez pas le moyen
Berthold, vous pourriez vérifier si ce n'est pas une commande ou un verrouillage magique. On sait jamais, hein, après tout, ils peuvent très bien avoir les cas, ce genre de capacité. Oui. C'est possible avant qu'on s'en voit. Oui, je pourrais. Oui, je pourrais. Mais je ne le ferai pas. Mais. Excusez-moi, je vis ma meilleure vie. Soyez plus précis dans vos demandes. Écoutez, je vais vérifier si magiquement il n'y a pas quelque chose déjà. Sait-on jamais. Même si on dit non, pas du tout, mais sait-on jamais. Alors, ta détection de la magie ne révèle rien de magique, en tout cas, dans ce mur. Mais... Est-ce que tu le dis ? Je ne détecte pas de magie dans ce mur. Ah non, j'essaye les deux prochains. Est-ce que vous voulez que je donne un petit coup de bâton ? Peut-être qu'il y a quelque chose en dessous. Et... Je commence à essayer de voir s'il n'y aurait pas un orifice ou n'importe quoi qui pourrait ressembler à une serrure, quelque chose où il faudrait mettre un objet particulier pour ouvrir, genre comme une clé. Bon, du coup, j'essaye quand même d'aider Ravabella. En mettant ma petite tête à côté d'elle, tu vois, sur son épaule. Je vais le tenir dans mes bras comme un bébé pour qu'il puisse tâter le mur. Bien contre la poitrine. Hein, pendant qu'ils font ça d'un côté du mur, moi je vais toquer sur l'autre côté des autres murs, du coup, pour voir s'il n'y en a pas un de creux. Ouais. Et moi je vais juste essayer de taper avec les pierres du bas avec mon bâton, histoire de ne pas me salir. Oh, tu sais, vu dans quoi on marche, on est sali depuis longtemps. Hein. Oui, mais pas les mains encore. Allez, Scroc porté en bébé, on tient sur toi. Allez, donc toi. Je fais quoi ? Je fais un avec petit test de perception ? Avec la poitrine contre le dos pour bien le motiver. Intelligence. Ah, intelligence. Avec éventuel bonus, j'imagine, ça serait tout ce qui est perception ou... perception, c'est tout ce qui est perception, ça marche, mais c'est les connaissances qui marchent pas dans le cas présent. Okay. Mais je crois que personne n'a de bonus de perception. Oh. Ouais, non, c'est vraiment mal porté. Franchement, vous êtes beaucoup trop bon pour moi ce soir. Non, mais en même temps, c'est Ravabella, tu vois, elle me tient d'une position... tu vois, je suis devant... J'imagine que l'éducation, ça comptait pas. Bon, en même temps, il y a quelque chose qui l'empêche de toucher directement le mur. Il est un peu trop joyeux pour ça. Bon, je vais tenter alors, parce que vas-y. Personne ne me trouve. C'est quoi ces conneries ? Et c'est normal, c'est normal. À la limite, après, on rentre chez nous, on fait bon, bah on n'a pas pu. Hein. Excusez, y avait un on n'a pas trouvé. Le truc, c'est crevé, ouais, voilà, le truc, c'est surtout qu'on risque de crever en ces dégoûts. Okay, ah, mais il n'y a personne qui est motivé ce soir. Et vu que c'est... Si j'avais eu de meilleurs réflexes, j'aurais dit que j'ai grillé un point de chance, mais je suis même pas sûr d'en avoir encore. Ah si, j'ai m'en resté, mais bon, j'ai pas pensé. Bon, écoutez. T'es gavé, hein. T'es gavé de chance. Bon. Je me propose. On sort de cette merde parce que. Allez, voilà, c'est fait. C'est fait. Bon. Donc tu repères trois pierres. Avant que. Oh, ça va, vous n'avez pas marre avec mes pierres. Ah mais c'est. Il y en a trois. Donc vous repérez trois pierres. Vous repérez trois pierres amovibles, effectivement. Vous repérez trois pierres, enfin vous, Berthold repère trois pierres, qui selon, enfin comme je vous ai dit, hein, ces égouts ont été fabriqués par les nains et qui selon l'architecture naine sont bizarrement placés par rapport au reste du mur et donc en les indiquant, vous rendez compte qu'elles ne sont pas parfaitement bien enchâssées, dans le mur. Oui, en les remarquant, difficilement. Hein. Oui, parce qu'en fait, il y a quand même pas mal de merde dessus. Debout. Et donc, je décrotte les pierres pour essayer de voir si on peut les
les presser, les bouger, faire, faire une action. Enfin, j'essaie tout ce qui est possible, enfin, qui me vient à l'idée. Pour, ne presse pas trop fort, s'il te plaît. Pour essayer de voir, dégager une... C'est normal que tout le monde suce quelque chose. Ouais, c'est ça. Écoute, j'ai vu Ravabella sucer quelque chose, du coup, ça m'a donné envie aussi. Moi, je ne vois pas. Je ne vois que VSP. Et puis si, j'ai vu Maki aussi en début de séance. Ah, mais elles sont tenues, hein. Donc... Il se fait plaisir, hein. Il se fait plaisir. Ah, j'aime bien sucer. Calmez-vous, là. On fait ça que quand il y a des PNJ. Donc, en poussant, en appuyant sur les trois, en appuyant sur les trois pierres, d'un coup, tu déclenches, hein, enfin, vous entendez un mécanisme se mettre en route de l'autre côté du mur. Et une partie du mur donc s'enfoncer en arrière et s'ouvrir complètement. Alors, vous n'avez pas le temps de crier « Hurrah !» puisque ce mur se libérant, il entraîne avec lui également tout le courant. Et vous avez donc un violent courant de boue. Comme une chasse d'eau. Qui vous... Oui, comme une... exactement, comme une chasse d'eau. Qui vous entraîne, qui vous fait glisser et vous happe littéralement. Alors que vous êtes entraîné donc assez rapidement et que vous tentez tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau, de la boue, vous finissez par tomber dans une pièce circulaire plus sombre, dans un bruit mat. Alors, il n'y a pas de lumière autour de vous. Vous avez perdu. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui portait une torche. Je ne sais plus qui d'ailleurs, mais qui dans le courant d'eau se retrouve trempé. Donc, vous êtes dans le noir complet et vous sentez l'eau qui est en train de monter progressivement depuis vos pieds, vos chevilles et ainsi de suite. Oh là là. Bon, bah... alors toi. Toi, Berthold, tu as pu éventuellement, t'as été obligé à un moment donné mais de oui, te rapprocher pour voir les pierres, mais ton sort de vol peut à un moment donné être actif et tu peux en tout cas te réextraire de cette eau assez facilement, mais toujours est-il que vous êtes tous dans le noir et que vous êtes soumis à la même enseigne. Eh ben ça, mais... on va changer ça. Ah, je vois rien. J'ai fait des grands gestes dans le vide, dans le noir avec mes mains. Avant, j'avais un peu de lumière pour aller je vais mettre, pour refermer cette merde. Je vais mettre lumière, je vais lancer lumière. C'est ça. T'as ça, toi ? Bien sûr que j'ai ça, j'ai plein de trésors inutiles. Parce que je joue humain. Donc j'essaye d'être vraiment. Inutile jusqu'au bout. Voilà. Donc le magicien désigne un objet lequel produit dès lors de la lumière dans un rayon de 20 mètres. Cette source de lumière n'émet pas de chaleur et s'éteint après 10 minutes, lorsque le magicien le décide. Bon, on va mettre ça sur... qu'est-ce que j'ai, moi? Quelqu'un a pas quelque chose de gros, là? T'as pas un bâton? Un bâton d'arche ou un bâton tout court? Non, mais ça va, je suis pas vieux non plus, je peux voler. Mais non, mais pour taper les gens, tu sais, pour briser des nuques en tapant des coups du lapin. Les étrangle. Bah, je veux dire, ils utilisent leur manteau pour les étrangler, tu sais. Bon, sur une épée à deux mains, frère. Ça sera ouais, assez gros. Voilà, c'est bon, le bâton. J'ai un bâton, effectivement. Putain, ce jeu est cliché, quoi. J'ai un bâton. Quoi. Je vois qu'elle choisit d'en avoir un. Je crois que t'as même le droit d'avoir une dague, non? Oui, mais bon, faire de la lumière sur une dague, c'est pas non plus... Ouais, c'est quand même moins classe, quoi. C'est quand même moins classe, quoi. En principe, elle est censée s'allumer que quand il y a des... quand il n'y avait plus de budget, j'ai que la dague. Ah, la prochaine fois, je ferai ça sur une fourchette et vous me ferez pêcher, quoi. Alors maintenant qu'on a de la lumière, je vais me retourner, je vais essayer de voir si au niveau du mur, il n'y a pas un loquet, un levier, n'importe quoi pour refermer le mur avant qu'on soit noyé. Donc là, maintenant que vous avez de la lumière, vous voyez que vous êtes dans une sorte de puits, en fait, qui se remplit de boue. Donc vous êtes dans une sorte de puits qui fait quelque chose comme 5 mètres de diamètre, 5-6 mètres de diamètre, et parfaitement circulaire, sans issue. Vous avez fait une chute de peut-être 4-5 mètres de haut. Et en levant les yeux, donc vous voyez qu'il y a donc votre boyau
qui déverse de l'eau en quantité, phénoménale en fait dans le... Donc l'eau qui monte progressivement. Le comment? La boussole, la boussole, voilà, c'est ce que elle indique où là en ce moment. Je sais pas qui là. Alors la boussole indique, alors les notions de nord, sud, est, ouest n'ont plus trop de sens dans le cas présent, elle indique une portion du mur. Elle montre, voilà, elle montre cette direction-là. Non, mais ça veut rien dire, ça dépend dans quel sens tu trouves. Il y a des animaux morts qui flottent dans l'eau. Peut-être. Il y a peut-être effectivement des cadavres de rats ou ce genre de choses. Ouais. Il y a d'autres types de cadavres aussi. Je vais regarder les ordres que j'ai, mais après, je pense pas qu'ils vont retrouver. C'est pas un familier qui va retrouver la sortie à notre place. Bah, déjà, sortir du puits, c'est pas mal. C'est un rara, là. Ouais, ouais. Non, mais à part attaquer, suivre, garder et pas bouger, ils peuvent rien faire. À moins qu'on ait plus de liberté, mais je crois pas qu'on puisse s'en servir. À moins que tu lui dises, garde la sortie, et comme ça, il trouve la sortie pour la garder, et nous... C'est pas con. Oui. C'est bien essayé. Bien essayé. On peut pas bien monter, tenté, mais ça reste un... Ah toi oui, tu voles. Alors, toi tu voles, voilà. Les autres, ils... Enfin, les parents sont quand même extrêmement... Ouais, ciao, extrêmement on y va. Lisses, allez, bah, ouais. Il fallait faire un peu intelligent dans la vie. Moust. Quelqu'un a une corde, histoire qu'il s'accroche là-haut et qu'on, se... et qu'on escalade. Sinon, on peut toujours flotter, faire la planche le temps que... Oui. Alors, disons que... Enfin... Flotter, ce sera jouable. Il y en a dans le groupe qui risquent d'avoir du mal à flotter. Tu dis ça parce que j'ai une cote de maille. Entre autres. Non, il dit ça parce que t'es vieille. Bon, bah écoute, je vais monter. Hein. Vu que tu es atteint d'ostéoporose. Flotte, s'élève dans le ciel. Ah oui, tu vas avoir des rhumatismes et tout, c'est chiant. Alors, que faites-vous? Moi, je monte. Je vole. Cher Berthold s'envole, et donc ben, le mur qu'indiquait la boussole, je vais m'approcher, pareil, continuer mon inspection du mur. Ouais. Jeter un caillou pour voir si c'est une illusion. Ah, j'ai plus de cailloux. Ah bah, je prends pas le temps de jeter les cailloux, hein. Moi je regarde s'il n'y a pas une pierre amovible ou autre chose, n'importe quoi, au secours, oui. Avec un cadre. Très bien. Moi je m'essaie, enfin, vu qu'on est, on est proche du mur, j'essaie de m'agripper et puis de. Ben, voilà, de grimper au fur et à mesure que... Les araignées, quoi, shooter. Ouais, exactement. Ok. DVSP. Bah, si j'avais un autre personnage, je pense que je l'aurais envoyé chercher le sol, au cas où il y aurait une issue, mais enfin, c'est vraiment dégoûtant, donc... Je crois que je vais essayer d'encourager quelqu'un d'autre à le faire. Peut-être qu'il y a une issue ou un couloir qui... Non, bah, je suis déjà en train de faire, hein, donc du coup... Je t'ai pas entendu, excuse-moi, je pensais que tu faisais, vers un couloir supérieur. Ah, alors, on est dans un puits, donc ça va être compliqué le couloir supérieur. C'est là, bah, à un moment ou à un autre, on va monter. D'accord. Eh bien, donc, alors, ceux qui cherchent, qui tapotent sur les murs, peuvent me tenter un test au choix de sagesse ou d'intelligence. L'éducation, ça fonctionne toujours pas, hein. Toujours pas, non. Je vais devoir faire, je vais faire pareil. Hein. Oh, merde. Oh, non. Hey, merde. Ah. Tu la sens. Tu la sens, mon intelligence. Bah, mais il est plus collé au boobs, forcément, tout de suite, ça fait des gros jets. Justement. Scroc, qui en s'agrippant sur les pierres des murs, à un moment donné, donc pour grimper, à une des pierres qui s'enfonce sous sa main. Bon, je l'avais repéré déjà depuis un moment, mais c'était pour être vraiment sûr que c'était celle-là. Donc en la grattant, elle était couverte de mousse et de boue, hein. Et donc en la grattant, tu remarques un symbole sous la pierre. Symbole que j'ai déjà vu. Non, non, absolument pas. Enfin, non, pas BBE ou un truc comme ça, quoi. Non. BNB, non. Non. Okay. Donc voilà, t'as repéré une pierre, c'est bien, elle s'est enfoncée, mais c'est tout. Là, c'est tout ce qui se passe. Alors, oui. Le chiotte est bouché, les gars.
Retiens la chasse deux fois pour le grosse commission. Il y a peut-être d'autres. Non, si je vois qu'il presse un caillou et ça perd. J'aurai plus ou moins la même hauteur, parce que je me dis que si ils sont pas trop cons, ça va être plus ou moins la même hauteur. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas une. Et donc, j'essaie de trouver un autre caillou qui fait pareil. À la même hauteur, tu fais le tour et tu trouves effectivement un autre caillou. Clic. Oui, t'as fait 10. Et donc tu trouves un autre caillou effectivement à peu près équivalent, qui a une rune un tout petit peu différente. Ah mais il y a des runes dessus. Bah il y a un symbole dessus qui permet de différencier les mais il est très très passé par le temps, mais. Alors, il y avait le symbole homme d'un côté, femme de l'autre. Hein. Donc ce qui se situerait, on va dire, à un tiers de circonférence du cercle par rapport à la première pierre. Tu l'actionnes, ça fait clic et c'est tout. Ah bon bah si ça fait un tiers, je dirais que pour former à peu près un triangle, il faudrait quelqu'un là-bas. Il doit y en avoir une troisième. Je tends à peu près le doigt vers ce qui pourrait être un triangle, quoi. 1, 2, 3. Par où je pense qu'il y a le troisième bouton. Yamanaki. Alors sur base des indications de Ravebella, tu n'as aucune difficulté effectivement à tomber sur la troisième pierre que tu racles, tu grattes comme ça, et tu appuies dessus, ça fait clic. Vous attendez une seconde, deux secondes, et il ne se passe rien, et les pierres ressortent. Ah se remettre en position initiale. Il y a un ordre. Allez, on va mourir. Alors il y a un ordre ou alors faut faire les trois en même temps peut-être. On se met d'accord à trois. Oui. Ça, à trois vous appuyez ou à trois vous appuyez. Ah non, on ressort pas ça. À trois on appuie. On y va ou. Ouais c'est ça parce que c'est toujours. Moi j'ai jamais compris ce truc là. Un, deux, trois. Clic. Genre, donc vous appuyez tous les trois en même temps, ça fait non ça fait pas clic mais ça fait un bruit de pierre qui marche. Mais il sait pas ce qu'il a fait, il est en train de regarder ce que ça fait. Juste pour ça. Voilà comme ça il y a quand même eu clic. Donc ça fait clic. Alors vous avez senti au moment où vous avez tenté d'actionner les trois pierres en même temps, vous avez senti que vous aviez du mal. Tout ça, alors que la première fois ça s'était actionné sans aucune difficulté, là vous avez eu du mal à enfoncer en même temps, à tel point qu'il y a eu peut-être un léger décalage entre les actionnements. Encore une seconde, deux secondes, il ne se passe rien et les pierres se remettent en position initiale. Vous avez de l'eau jusqu'en bas de la taille. Oh, il n'y en a pas encore eu. On va essayer de faire un sens. Alors, du coup, Scroc, moi. Je vais quand même vérifier par acquis de conscience. Myrna, ça a été déjà fait. Donc, sur la troisième. On va faire moi, Myrna, Scroc. On va commencer à aller par un. Que ce soit un triangle, il reste peut-être un caillou, j'en sais rien. Bon. C'est possible. Ah, toi, tu continues à chercher. Continues à chercher, effectivement. Acquis de conscience. Donc, alors, on reprend. Tu fais donc, on a Ravabella, Myrna, Scroc, c'est ça? Ouais. Ok. Donc, vous faites dans cet ordre-là. Vous attendez une seconde, deux secondes. Et là, le mur s'ouvre. Plus précisément, le fond du puits s'ouvre. Et vous refaites encore une chute, mais cette fois-ci une chute beaucoup beaucoup moins haute que la précédente, et vous atterrissez sur un sol qui est beaucoup plus dur. Je vais vous demander un test de dextérité, s'il vous plaît. Et là, acrobatie, tout ça, ça marche. Ok. Un malus de texte à ma dextérité. Ah oui, ouais. Est-ce qu'il y a des manus avec les armures, tout ça? Normalement, c'est quand tu fais ton test de dex, c'est pris en compte automatiquement. Ah, d'accord, c'est bon alors. Ah oui, effectivement, c'est pris en compte. Et donc, sauf Berthold, lui, il a pas besoin, parce que Berthold, alors, il nique la physique. Vu que je tiens pas à me briser une jambe, c'est vraiment pas le bon moment, j'utilise un point de chance. D'accord.
Et donc, bah, vous atterrissez dans de la boue. Et dans une pièce qui, pour le coup, est elle, richement éclairée, en fait. Vous atterrissez dans une pièce avec un sol en pavé de pierre et de dalles de pierre. Une discrète odeur de vinasse un petit peu faisandé règne dans l'air, et mêlée à de la poussière et à du tabac froid. Et vous atterrissez dans une pièce rectangulaire qui doit faire environ 3-4 mètres de côté, et qui mène à deux couloirs. En fait, qui mène à un couloir qui se rejoint dans l'angle, donc ça forme deux couloirs du coin de l'angle. Alors que vous auriez dû chuter lourdement et vous faire très mal, vous avez tous réussi par un habile tour à vous réceptionner correctement et à éviter de vous tordre les chevilles. Cependant, vous avez quand même encore une espèce de douche de boue qui vous tombe dessus. Et au bout de quelques secondes, la trappe semble commencer à se refermer. Alors c'est là que mon regard va se tourner vers Berthold pour savoir ce qu'il fait. Bah, je vais descendre. Donc tu te faufiles avant que la trappe ne se referme. Oui. Et donc au-dessus de lui, il s'engouffre et la trappe se referme au-dessus de vos têtes. Et là je me dis intérieurement, ah, il a dû être trempé lui aussi, il est obligé de passer par l'eau. Non, je me dis surtout que le mélange tabac, vignasse, boue, on ajoute un petit peu de panique, d'adrénaline et tout ce qui va bien. Je pense que je vais aller dans un coin rendre mon petit déjeuner. Bon, ça va. Déjeuner, dîner, je sais plus. Vu mon score de constitution, je pense que là, faut pas pousser mémé. Par contre, à l'entrée du palais, on a déjà vu mieux. Hein. Vous êtes où? Oui, voilà, vos jetons sont là. Ne quittez pas. Nous allons répondre à votre enquête. À votre appel, pardon. Hop. Voilà. Alors, avant de vous partager cette carte, je tiens à vous demander la plus grande indulgence. Vous allez dire, je tiens à remercier BBE. Non. parce que soit j'ai lu beaucoup trop vite et je suis tombé, j'ai pas vu la carte, soit il n'y avait pas de carte. Donc j'en ai pris une, hein, qui malheureusement a déjà des carrés qui ne correspondront pas au carré de la battle map. Ah oui, d'accord. Donc, ne cherchez pas à tout prix à respecter les carrés de la carte, respectez plutôt les carrés de Fantasy Ground. Mmh. On les voit sur le bord de toute façon. Est-ce qu'il y a le cas, oui, d'ailleurs de quand, Martin, c'est quand tu as la blague du « il y a déjà des carrés » et ils comprennent pas que t'as pas forcément envie de, ou les moyens de passer une heure à chercher quelle est la taille au millimètre près de chaque carré. C'est ça. Ah, quelle est cette sorcellerie. Je ne suis pas sur les carrés. Et alors, donc, tandis que vous êtes en train de reprendre plus ou moins vos esprits, vous voyez au bout du couloir sud J'aime pas les stéréotypes, ça fait vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment de la discrimination de dire ça, mais je suis désolé, c'est un brigand, quoi. Voilà, c'est un brigand avec des tenues de brigand, des fringues de brigand, une tête cassée de brigand, un humain qui ressemble à un brigand, donc qui a une chopine en main et une épée en coutelas, en bandoulière. Qui était adossé au mur et qui vous regarde médusé. Donc qui voit par où vous venez de montrer, le fait que vous soyez apparu comme ça, sorti de nulle part, et qui marque une demi-seconde d'arrêt face à votre apparition soudaine. Je charge. Je dégaine et je charge.
Comme d'habitude, je vais constater que... J'ai hésité entre ça ou lui jeter de la boue dans la gueule. Hein. Mais la, non. La diplomatie est toujours le fort de ce groupe. Mais Martha, tu veux pas lui jeter un caillou déjà? Oh, si c'est une illusion, mais je vais lui taper dessus, voir si c'est une illusion. J'ai chargé, moi. Alors, non, bah, mais donc... attends, quand t'es dans une ruelle, dans une ruelle de la Tessie, y a certains indices qui font que la diplomatie, tu sais qu'elle ne fonctionnera pas. Il a une tête de brigand, une couleur de brigand. Une odeur de brigand, enfin non, là, ça, c'est pas de sa faute, mais... Et des bruits de brigand. Je vais quand même vous demander, s'il vous plaît, un test de faire votre initiative, pour le coup, d'accord, à tout le monde. Voilà, c'est à peu près ça le niveau de subtilité qu'on a là. Ah, j'ai cru que j'avais initié, mais en fait non. Ok, vous êtes tous là. Ah oui, donc pour information, la trappe qui s'est refermée au-dessus de vos têtes s'est refermée, mais elle n'est pas étanche pour autant. Ce qui fait qu'en fait, vous avez quand même des trombes d'eau qui continuent de couler. Il y a manifestement quelque chose qui n'a pas été avec le mécanisme. Et donc, la pièce dans laquelle vous êtes continue à se remplir d'eau et vous voyez la mare de boue qui coule à travers le couloir et qui commence à remplir les locaux. Donc vous avez de l'eau jusqu'à cheville lorsqu'on amorce le combat. Question, y a moyen de avec une arme de frapper sans intention de tuer. Frapper avec le plat d'une lame qui doit avoir une lame que d'un seul côté, ça ne va pas être alors, trop dur. C'est tout à fait possible. C'est juste que c'est beaucoup plus délicat à faire avec une arme létale en fait, prévue pour tuer. Tu as des malus dans ton test d'attaque. Ouais, bah, j'aurais des malus. Ça se fait. Ça se fait. Bah, j'essaie de frapper avec le côté où ça coupe pas. Alors, je peux pas encore te mettre le jeton. Est-ce que j'ai un jeton lambda que je vais pouvoir mettre? Non, hein, t'as pas le bon univers là, lambda. Hein. Voilà, on va mettre ce jeton là. Hop, vas-y. Donc tu peux y aller. Malus de combien? Eh bien, tu vois, ça fait partie des règles que j'ai lues une fois et que je me suis vite empressé d'oublier. Si je me mets moins 4 par principe, le temps qu'on trouve. Non, mais attends, je vais te donner la réponse tout de suite. C'est juste que c'est. Hop. Faut que j'ouvre le bon bouquin. Vas-y, lance ton test d'attaque dans tous les cas. On mettra le malus au résultat. Hein. Oui, de toute façon, tu peux pas cibler le jeton. Donc, Ah? Mais non, parce que c'est pas le vrai jeton. Ah, d'accord. Non, mais j'avais déjà le départ dessus en fait. Ah merde. Mais où est le vrai jeton? Ouais, non, mais j'ai pas touché quoi qu'il arrive. Bah, j'ai fait 11, tu vois, donc si t'ajoutes un malus derrière, bon, sachant que l'armure commence à 10. Effectivement, il y a des chances que. Oui, non, tout à fait, effectivement. Petite impression. Non, je déconne. Et oui, ouais, c'était un malus de moins 2. Voilà. Bon, bah, donc, voilà. Ça ne passe pas. Je touche encore moins. Dans ta volonté d'épargner le bougre, ta frappe manque de puissance en fait. Tu n'arrives pas à le toucher correctement. J'imagine Martha qui va arriver. Mais non, mais c'est comme ça qu'on frappe. Ah oui, tiens, en fait, on attaque le combat, vous êtes blessé. Est-ce que je peux peut-être vous accorder la prise d'un point de récup avant? Ou est-ce que vous avez décidé que non? Oh non, tu sais, on joue si encore. Encore si encore on avait pris 10 minutes dans un coin pour se reposer, souffler. C'est le jeu, ma pauvre fucette. Hein. On s'est pas reposé. Hein. Ouais. Parce que. Puis on a des élixirs de soins et des conneries du genre, ça que ça sert. Je crois que c'est à toi. Eh bien écoute... Vas-y, j'aurais dit 17 pour son jeu. Normalement maintenant je peux...
Je passe dans l'ombre, c'est ça? Tu peux. Voilà. Il y a des ombres ici. Mmh. Eh ben, écoute, donc tu utilises une action limitée pour faire ombre mouvante? Ouais, c'est ça. Très bien. Donc lui, il est surpris, donc il agit pas. Berthold, c'est à toi. Alors, moi j'aimerais savoir un truc. Vas-y. Est-ce qu'il est possible de faire des flèches enflammées non létales? S'il cible pas un organe hein, vital. Hein. Genre, c'est... Alors tu veux dire des flèches cheveux, enflammées qui ne brûlent pas en fait? Ah, si tu crames les cheveux ou le... C'est juste pour l'effet quoi. Est-ce que je peux assommer quelqu'un avec une boule de feu? Oh, mais fais pas chier, utilise suffocation. C'est leur merdeur. Est-ce qu'on peut suffoquer comme Dark Vador sans tuer? Bon, d'accord, je sens venir la blague. Alors. Bon, on peut pas, hein. C'est dommage. Non. Le magicien est fait pour tuer. Merde, alors. J'aurais dû changer de classe. Bah, écoutez, je vais faire des flèches enflammées, je vais pas m'emmerder. Est-ce que j'ai une... Est-ce qu'il y a des problèmes de vision? Pas du tout, là, il faut que je bouge mon non, cul. Pas pour la magie. Okay. Pour la magie, tu n'as pas de difficulté à ce moment-là. Ah, c'est génial. En plus, t'as un bâton qui fait lampe torche dans tes mains. D'accord. Bon, écoutez, ouais, je vais lancer ça en action limitée, ça coûte moins cher. Donc c'est moins 2, c'est ça? C'est moins 2 en PM, ouais. Et quand c'est niveau 3, c'est combien déjà? C'est 3? Et... Non, enfin, quand tu utilises une action... Ah oui, c'est ça, c'est 3 PM, donc il ne te coûte que 1 PM, pour le coup. Ok, bah je vais faire ça. Je sais plus où sont les PM, déjà. Excusez-moi, ça fait longtemps. Il doit être dans notre, non? Dans équipement option magique. Merci. Allez, je fais ça, et c'est une attaque de bravo, oui, de souvenir. Attaque magique, enfin, attaque magique, donc... Ouais. Faut que je le jette sans cibler, d'accord? C'est ça, jette le sans cibler puisque tu peux pas cibler ce jeton. Bah non. Peut-être possible, si... peut-être pas. Si, si, ah, c'est, ça okay. Touche. Donc le carreau le frappe et il commence à prendre feu. Alors tu peux lancer des dégâts aussi. Ouh. Et il a été enflammé, ça sert à rien que je clique parce qu'il n'y a pas de... Non, c'est qui déjà? C'est un D6. Un D6 plus modifié. Ah oui, les enflammements, oui, tout à fait. Le fait qu'il y ait feu, mais je peux pas le mettre sur le jeton. Vas-y, non, la suite. Mais je vais le noter là. Ah, je suis pas sûr qu'il va faire bon. Il va rester jusqu'au tour prochain de toute manière. Il y a des il y a des chances que effectivement. Alors, non, Myrna, c'est à toi. Eh bien, elle va rabattre sa capuche sur sa tête. Et puis elle va faire masque mortuaire. Je n'ai rien à... Enfin, je dois appuyer sur rien si je ne me trompe pas. Effectivement. C'est un état. C'est un état. Et puis elle va se contenter, en tout cas, d'essayer de cacher son visage aux autres, mais de se faire montrer aux brigands et de faire des grimaces, d'essayer de lui faire peur, je ne sais rien. Parce que j'ai beaucoup de choses qui sont létales et j'ai un peu peur de lui faire du mal, donc je vais vous le donner. Ouais, c'est pas dommage. Voilà. C'est dommage, il vient de prendre une boule de feu dans la gueule, c'est sûr qu'il va survivre. Du coup, j'y vais doucement et puis si quelqu'un ça me regarde, je vais dire « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont fripées mes mains à cause de l'eau !» Voilà quoi. De toute façon, le masque mortuaire, je crois que c'est que le visage. C'est de mémoire, c'est que le visage. Bon, ça va alors. Alors, on peut imaginer que... Ah non, pour être précis, c'est prend l'apparence de la mort. Donc ouais. Ça va être compliqué à cacher. C'est ça, j'ai perdu ma peau et tout, c'est bizarre. Non. Donc voilà. Ceux qui jouent à Dark Souls, j'imagine assez bien l'état de carcasse en fait. C'est ça. Ouais. Mortuaire. Mais en tout cas, j'essaie de surprendre l'autre adversaire afin de permettre aux autres peut-être de l'assommer, du bave, j'en sais rien. Il est en train de se faire cramer et taper dessus, je pense qu'il a effectivement son attention doit être bien prise quand même. Oui. Et je me souviens plus, Dae, elle est avec nous, non? Non, elle est.
Elle est à l'auberge. Elle est dans le paradis des PNJ. Enfin, elle est pas dans la merde, et la... elle est pas dans la fange, quoi. Dans la boue, dans la boue. C'est dommage, tu vois, je voulais essayer de le désarmer, mais je peux pas me déplacer et le désarmer, donc. Non, je vais devoir lui couper les mains. Donc je vais le taper, quoi. C'est le jeu qui m'oblige. Ah, tu peux t'imposer un malus pour... non. Touche, je... C'est bon, c'est bon, j'ai touché. Bon, il n'y a qu'une seule personne qui voulait éventuellement l'interroger. Alors, sans problème. Hein. Ouais, bon. Et ah, sans problème, tu le dégages. Ah oui, j'ai... on n'a pas eu le... Et pourtant, le 10, je l'ai bien vu. Oui, j'ai eu un peu d'erreur. Ah, mais parce qu'en fait, tu essayes de faire glisser sur le jeton. Oui. Non, 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 c'est mon raccourci qui ne doit pas marcher. Je vais essayer. Ah, ah des fois, il faut le mettre à jour. Ah oui, il faut le mettre à jour, le raccourci. Bon, toujours est-il qu'il est... Alors, faut rajouter 9 à ça. Mais il est décapité, proprement, sobrement. Flarch. Bon, je me tourne vers Martha, fait. Mais il faut, on aurait pu l'interroger. Enfin, puis là, je vous regarde l'eau qui consentait, fait. Non, en fait, non, non, oublie, on n'a pas le temps. Bon, on va... Objectif. Avant d'avoir de la boue encore partout sur nous... Je fais rouler la tête jusqu'à Myrna en disant voilà, pourriez la momifier ou lui demander comment elle va. Je sais. Mais non, faut la jeter aux pieds de ses copains pour leur faire peur. Oui, mais d'abord elle peut peut-être la faire parler, tu sais, tout. Mais on sait pas. Elle a toujours sa gueule de la mort, on est d'accord. Allez, nous aussi on voulait le voir, son copain là, il était beau gosse et tout. Non, parce que j'imagine que je me retourne, je la vois comme ça, je suis au moins sursauté, quoi, vu la gueule qu'elle a. Bon, bah, il est mort. En tout cas, il n'a pas eu le temps de donner l'alarme, voilà. Il n'a pas eu le temps de souffrir. Il s'est pris une boule de feu dans la gueule, je pense qu'il a déjà eu... C'était une flèche enflammée, mais soit en passant, je pense que lui, il n'a pas eu le temps de donner l'alarme, mais... Et d'ailleurs, à ce moment-là, au moment où vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'on a été discret, est-ce qu'on n'a pas été discret, quand ça s'est... Vous avez la trappe au-dessus de vous qui cède sous la pression de l'eau et vous avez donc une chape d'eau violente donc et debout qui chute d'un coup et qui brusquement fait monter le niveau de l'eau dans la pièce et cette sont près de la trappe un Myrna escroc. Et donc là, l'eau coule à torrent, de façon beaucoup plus rapide que c'était le cas jusqu'à présent. Et tandis que vous entendez dans les couloirs de part et d'autre des bruits de pas qui se rameutent vers vous. Nous allons donc pouvoir continuer le combat. Cool. Pas le temps d'aller se planquer pour faire genre, on les prend par surprise, hein. Continue le combat. Alors attends, par contre, je vais peut-être révéler un petit peu plus de cartes maintenant que vous êtes avancé. Hop. Là. Là. Et là. Toi, tu as la tête, j'aurais pu faire. C'est pas nous, c'est lui. Oh. Hop. Et vous voyez en fait des individus humanoïdes, en fait c'est écrit rat géant mais ça ressemble plus à des rats-garous en fait, des individus humanoïdes de bras, de jambes, avec les vêtements du brigand que vous venez de tuer, qui se rameutent dans votre direction. Ah, on va muter. C'est possible. Donc, 1, 2, 3, 4, 5... C'est-à-dire, comment ça, les fringues du brigand qu'on a buté? Bah, du même type de frein. Ah oui, ah oui, d'accord. Oui. Ils ont des uniformes. Tu sais. Oui, d'accord. Oui. Oui, en fait, en gros, ils sont habillés comme moi, quoi. Oui. Oui. Ils sont habillés en gros. Enfin, à leur taille, quoi. Voilà. Attends, non, c'est pas à lui, pardon. Et donc là, c'est à Ravabella. Courage. Bon, ben, avec subtilité et délicatesse, vu que j'ai compris qu'on n'aurait pas le temps d'interroger, je frappe. Mais je frappe pour tuer cette fois-ci.
Et pour me casser de la boue. Alors là, t'as le droit de faire glisser directement sur le jeton, si tu veux. Ouais. C'est vrai. Dès que je me rappellerai où c'est. Combat. Ouais, j'ai raté. Bon bah voilà, hein. C'était bien. Donc, tu as la sensation que cette créature est vive et agile, et elle arrive à esquiver le coup de ta lame. Alors déjà, qui n'est pas forcément facile à manœuvrer dans un endroit aussi étroit, sans difficulté. Ouais. À toi, Scroc. Vous sentez qu'on va à Mortal Kombat ou on va... Moi, j'étais dans les ombres. Ouais. Attends, je me souviens plus, c'est combien le mouvement c'est 9 cases c'est non, 4. Non. Pardon. Je dirais que c'est plutôt dans l'eau. Hein. Ombre mouvante, oui, non. Ombre mouvante, c'est 10 mètres et donc c'est ouais, 5 cases. 5 cases. 2, 3. Ouais, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. J'arrive dans son. J'ai pas le choix, je vais devoir le planter dans le dos. Je vais devoir le c'est planter. Bien parce que le jeu m'y oblige. Mais voilà, c'est ça. Moi, je voulais quelque chose quand même. Ah. Je voulais pas faire une petite case en diagonale pour la dernière, pour essayer d'être bien, bien dans le dos entre les omoplates. Pardon. C'est bien toi que sur ombre mouvante, c'est 10 mètres. Enfin, c'est 10 mètres de ton point de départ, mais on compte pas de déplacement. Tu réapparais à 10 mètres de ton point de départ. Oui. Oui, enfin, de toute façon que je me mette, oui, je peux me mettre là. Il n'y a pas là. Non, enfin, c'est pas pour t'inciter à te mettre ailleurs, c'était juste pour qu'on soit d'accord, qu'on parle de la même chose. Bien sûr, oui. Alors, par bien contre, sûr, oui, je vais peut-être mettre à jour mes raccourcis, parce qu'à mon avis, c'est pareil, ça. Ça ne doit pas le faire. Désolé. Alors, le petit coup de rapier dans son petit dos. Bah, tu le touches. Allez, rapierre-le. Je le touche, bien sûr, en sournoise. Hein. Oh là là, qu'est-ce que ces dégâts, là ? On se fiche de qui, là ? Ah, voilà. On se fiche de qui ici ? Attends, que je calcule. Donc là, au total, t'as fait 21. Oui, non, c'est bon. D'accord. Eh bien, je le plante. Tu l'as traversé de part en part. Peut-être as-tu planté ta lame en plein cœur, je ne sais pas. Oui, par derrière, en tout cas, je traverse tout. Et au moment où il tombe, je fais un petit clin d'œil à Ravebella. Un petit clin d'œil comment ? Bah, en fait, quand elle voit la créature bah, tomber à ses pieds, elle me voyait pas derrière. Donc du coup, elle le voit tomber, puis c'est moi qui suis derrière, puis je lui fais un petit clin d'œil. Ah, que ferais-je sans vous ? Bon, donc, hop. Dying, voilà, toi t'es mort. Hop, très bien. Le suivant. Ben non, celui-là il est mort aussi. Voilà, donc c'est à Berthold. Il est loin l'autre, hein, ça. L'autre est pas à côté. Il est à. Actuellement il est à 1, 2. Il n'y en avait pas un sur Martha là ? Il y a 16 cases de toi là. C'est pas son tour en fait, il s'est trompé. Oui. D'accord. On ressort les bouquins. Ok. Il y a encore du bruit ou pas ? Oui, enfin là, ça a l'air d'être assez animé. Enfin, c'est difficile parce qu'il y a quand même toute la cacophonie créée par l'eau qui tombe.
Mais ça a l'air d'être assez animé. Tout ce qui vient autour de vous, il y a plusieurs cris qui viennent vers vous. Bah écoute, ce que je vais faire, enfin si c'est possible, c'est que s'il y a quelqu'un qui arrive dans le couloir à gauche là de ce croc, je vais agir. Parce que là, je suis bien là. Donc tu retardes ton action. Voilà. Ok. Et je reviens vite. Ok. Donc lui, bah, il va foncer pour venir se mettre au contact de Martha. Et il tente de la mordre de ses dents. Doucement. Et il lui croque. Alors, il s'apprêtait à te croquer à la jugulaire. Et tu as juste le temps de lever le bras pour te protéger. Et tandis que sa mâchoire se ferme violemment sur ton avant-bras. Et que le sang gicle. Et où ? Aïe. Myrna, c'est à toi. Alors, Myrna va simplement se rapprocher, enfin, se décaler de deux pas, et puisqu'elle est à moins de 20 mètres, si je me calcule bien, même pas besoin. Tout à fait. Exactement. Elle va simplement faire un petit geste et faire mine de broyer le cœur donc de ce ragarou. Hop. Toujours dans l'amour. Et la bonne humeur, bien sûr. Alors, elle va utiliser... Il était possible de réduire le coût, il me semble. Alors, si tu t'es déplacé, tu as utilisé une action de mouvement pour le coup. Donc, tu es obligé de l'utiliser. Ah, d'accord. Faire une action d'attaque pour plein pot. D'accord, mais j'aurais pas dû, c'était bête. Parce que je pense que je le voyais quand même, peut-être. De là où t'étais, non. Bon bah je viens. Là t'as été obligé de te déplacer, ouais. Très bien. Bah écoute, combat. Hop. Je m'étais trompé de machin. Et j'espère ne pas me tromper. Ouais. Et bien non, donc tu lui as. Du mouvement de la main, tu as fermé la main. Ah. Et le corps se fige pris de soubresaut. Et tandis que le sang jaillit de sa gueule. Alors. Difficile de dire après si c'est son sang à lui ou si c'était le sang de Martha, puisqu'il avait la mâchoire fermement agrippée à son bras. Mais en tout cas, les litres de sang qui sortent de ses yeux, de ses naseaux et de sa gueule ouverte ne laissent malheureusement aucun doute quant à sa survie. T'es qui, toi ? En fait, maintenant, je ne sais plus où sont mes choses. Ah voilà, oui, c'est bien toi. Hop. Donc, vous envoyez un autre qui déboule par là, et c'est là, normalement, que Berthold est censé agir. D'accord. Il est parti. Il est parti. Pas grave, je vais faire agir le suivant, et on reviendra en arrière ensuite. Donc, un autre déboule du couloir du bas. Et se retrouve donc enjambe le cadavre de son copain et tente de s'en prendre à Ravabella. Ouf. Ah bah évidemment, hein. Il fallait bien que tes critiques y passent à un moment. Il y a que là-dessus que je te touche en même temps. maintenant que tu fais l'I-26, je n'ai que 22 de défense, ça veut dire qu'il y a moyen de faire 23, 24, 25. C'est vrai. Il y a eu un rat tu n'as que 22 de défense. Oui, on t'attendait en fait. Pour... Mais si t'insistes, dès que je peux, je monte encore un petit peu ma def. Hein. Donc on revient juste quelques secondes en arrière. Un rat est apparu dans le couloir. Tu as le temps d'agir avant qu'il finisse son action. Je vais l'étouffer. Je suis au coin du mur. Ah, tu vas l'asphyxier. Vas-y. Allez, c'est parti. Donc c'est une attaque standard. Je le lance pour pas. Ça dépend. Tu le fais en ligne. Tu le fais comment, oui, voilà. En limité ou Oui, je le fais en que ça me coûte rien. Ah, je d'accord. Rien donc, en gratuit. Ok. Oui, c'est bon. Ça coûte cher de voler. Hein. Je peux mettre le token dessus ou pas d'asphyxie? Ouais. Tu peux lancer les DM et mettre le token ensuite dessus. Voilà.
Pardon. Très bien. C'est bon. Hop, donc parfait. Donc bah lui, en fait, sur le moment, il voulait utiliser sa gueule pour croquer Scrock, mais le fait de manquer d'air d'un coup l'a complètement surpris et l'a complètement pris au dépourvu. Et donc à la place, il va plutôt tenter de mettre un coup d'épée, parce que bon, ils ont des espèces de coutelas. Par contre, hop, surpris, non. Surpris par ton attaque. Je pense que ça. Je risque voilà. Plus de choper une saloperie avec son couteau qu'en me faisant mordre. et donc, tout à sa surprise, il rate Scrock qui évite sans difficulté l'attaque. Bien sûr. Il a reperdu des PV. Alors, c'est. En fait, ce sera à chaque tour à toi qu'il perdra des PV. Ouais, okay. C'est vraiment bizarre parce que là je sais pas, ou alors il y a dû avoir une mise à jour au niveau du rule set parce que j'ai tous les états qui se superposent, c'est assez moche. Donc lui il a déjà agi, il a croqué Ravabella, donc là c'est à Martha. Ah, c'est à moi. Eh bien je vais double attaquer. Bon, ça c'est fait. Ah ouais. Je fais quand même ma deuxième attaque. Oui, hein. Je suis pas persuadé que ce soit nécessaire. À moins qu'ils aient de la réduction de damage standard. Alors, ils ont de la réduction de damage, mais... Ouais, mais quand même, quoi. Mais quand même, quoi. Mais pas à ce point, mais pas à ce point. Quoi. Mais voilà. Ouais, tu l'as tué jusqu'à ce qu'il soit mort, quoi. Que je fais. Pas dans la dentelle ce coup-ci. Je déteste les rats. On a pas la place. Alors voilà. Pas le temps. J'ai pas le temps. Monsieur n'est pas un rat. Monsieur est un brigand. Pardon. Hop. Et donc. Vous voyez apparaître une figure, pardon. Où es-tu ? Une figurine. Vous voyez apparaître d'un coup donc un individu. Hop. Alors, pour information, l'eau monte très fort. Là, maintenant, elle doit être presque à la taille, elle doit être à la taille de Scrock. Oui, donc au tour suivant, j'aimerais que vous me fassiez tous un test de sagesse. Bizarre, il me rappelle quelqu'un. C'est... Il me rappelle Jacouille, mais en plus vénère. Un jeu sur PS4. Oh. Oh. C'est possible, hein, j'ai chopé cette illustration sur internet. Hein. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est ça. En fait, c'est Jean-Claude. Non, mais il y a une vraie illustration dans la campagne pour ce personnage. Mais vu qu'il était éventuellement possible qu'il apparaisse plus tôt et sans pour autant qu'on soit censé se rendre compte que c'est le voleur, vu que bon, là, j'ai pas fini la description, mais il a la coupe dans la main, tout ça. La vraie illustration, elle a la coupe dans la main. Si je vous l'avais balancé plus tôt, alors que vous avez pu interagir avec lui dans d'autres contextes, vous seriez tout de suite rendu compte que c'était méchant. D'accord. Alors que là, il a clairement une tête de gentil. Tu vois. Oui. Ah non, mais moi, ça m'aurait fait marrer s'il c'est avait vraiment. Ah ah, c'est moi qui l'ai. Et après, il se tire. Alors, que ce soit Ravabella ou Scrock, vous entendez tous les deux très distinctement. Donc des gémissements. Gémissements d'hommes et de femmes, donc deux voix, une voix masculine, une voix féminine, mais des gémissements étouffés, comme à travers une cagoule ou un bâillon ou ce genre de choses. Ah oui, d'accord. Ça vient d'où ? Et ça viendrait, alors difficile à dire, mais ça, d'après vous, ça viendrait de la gauche, donc de ce secteur-là. Est-ce que j'allais dire quelle gauche ? Oui, en fait, la gauche du plan, ça viendrait de par ici. Oui, mais il y avait la gauche en haut et la gauche en bas par rapport au plan aussi. Et on entend les faibles gémissements alors qu'on m'a sorti qu'il y a de la flotte qui coule. Exact, oui, mais
C'est pas des faibles gémissements, vous entendez des gémissements. Des gémissements qui ont l'air d'être de personnes qui ne semblent pas, qui semblent essayer de s'époumoner à vouloir manifester leur présence, mais ne peuvent pas le faire comme il faut. J'ai cru que c'était pendant un moment c'était le roi des partouzeurs, mais. Non. Il y a la crampe. Avec une moustache comme ça en même temps. Ouais. Donc voilà, alors oui, donc l'individu qui apparaît dans le couloir face à vous tient entre ses mains, dans sa main gauche en fait, la coupe de vie, pleine d'eau, de vin, ou de, enfin, pleine, et pointe vers Scrock une arbalète de poing. Il décoche un carreau. Ha ha! Il a plus 8, hein, c'est automatique. Je suis le méchant. Voilà. Je suis le méchant et bon. C'était juste pour vous faire peur. Ce coup-là, ça comptait pas. Non, mais en fait, ce qu'il avait pas prévu, c'est qu'il y a de la flotte. Il a pas fait gaffe, il y a de la flotte sur son carreau. Ça l'a alourdi, ça fait. Splutch. Et donc, je pense qu'il y a moyen. Non, mais si, en fait, c'est carrément ça. Donc, il malheureusement, il a raté ce croc et il a planté. Le carreau se plante dans l'épaule de son copain. Je suis désolé, mais de mon point de vue, en fait, peut-être qu'il a trahi son compagnon et qu'il lui tire dessus. Quoi. Parce qu'il a pas l'air. Parce que il tirait tout droit. Pour moi, c'est ce qu'il visait. Hein. Donc copain qui sort le carreau d'arbalète de son épaule, le regarde l'air interloqué et d'un coup tourne de l'œil et s'effondre dans l'eau tête la première. Il n'y a pas que du bois sur ce carreau. Eh ben bravo Jean-Claude. Bon, pas mec faire des eaux. Tandis que des bulles d'air s'échappent de ses poumons faisant plop plop plop. Mais hop, un autre rat jaillit du couloir. Mais à un moment donné, je te mangerai. Je l'aurai un jour. On va ajouter une ou deux trucs qui augmentent la dex juste pour toi. Tu vois que tu peux toucher. Tu vois que tu peux toucher. Je suis extrêmement en forme ce soir. C'est et pas donc, mon cas. Ravabella qui se fait croquer de part et d'autre. C'est pas que, mais j'ai beau être patinage. C'est une action quoi d'aller de choper dans son sac un élixir de soin. Alors, c'est une action de mouvement de l'attraper et une action de mouvement de le voir. Ouais, bon, avec deux mecs autour de moi, je vais d'abord essayer de m'assurer de pas me faire tuer avant d'essayer de boire une potion. Je vais faire ça dans le sens. Je vais d'abord essayer de frapper, puis après je vais bouger. Ah, parce que dans ce jeu, il n'y a pas ce genre de mécanique barbare comme les attaques d'opportunité. voilà. Y'en a pas un qui était mort bah en fait y'en a un qui est pas mort, il est pas encore mort techniquement, il est juste blop blop. C'est celui à côté de Scrock. Bon bah. Ah oui, celui qui est en face de Scrock, il est asphyxié et il est en train de se noyer de son asphyxie. Enfin, non, mais vraiment, j'ai trop envie de boire ma potion. Hein. Hop. Voilà. Excusez-moi, au prochain tour. J'ai pas le level. J'ai pas de level. Non, mais je suis trop perturbé par toute cette boue. C'est ça, de la boue partout. À toi, Scrock. Sauve le monde. Ni une, ni deux. Je repasse dans les ombres. Oh mince.
Donc tu n'es de nouveau plus là. Je ne suis de nouveau plus là. Berthold, c'est à toi. Donc tu peux lancer le D6 contre le Ragaourou qui est en train de se noyer. 5, c'est lequel? C'est le 4? Non. C'est lui. Hop, voilà, donc là. C'est le Rageant 4, pardon. Hop. Et donc c'est à toi d'agir. Toujours pas mort l'autre, putain. Bah il est. En tout cas. Presque. Mais tu ne vois pas trop dans quel état il est vu qu'il est en train de flotter dans la boue. Je peux faire plusieurs asphyxies ou pas? Alors oui, mais pas sur la même cible. Bien sûr. Je te réasphyxie. T'as pas assez asphyxie. Je mets une deuxième main. Non, mais si je vois le roi des cons. Oui, là de là tu es juste dans l'angle, tu peux le voir. Ok, bah écoute, je vais le lancer en plus de damage. Donc ça va me coûter 1. En plus de puissance. Oui, plus de d'étouffement. Alors, c'est parti. Oui, donc attaque magique. Oh, il doit avoir une grosse défense lui, mais bon. Ah, il te reste des points de chance. Non. Eh bien, ça passe. Alors, ça passe. Asphyxie. Alors, le plus gros. Bon, pas grand chose, mais plus gros asphyxie. Plus gros asphyxie. À toi, Myrna. C'est simple. Vu le peu de pouvoir qu'il me reste, enfin, qu'il lui reste, Myrna va simplement, animer le cadavre d'un des zombies, ouais. des rats qui restaient, et elle va faire attaquer le rat géant numéro 6. Hop, laisse-moi juste vérifier un truc, si tu les réanimes avec leur carac ou avec des carac. Non, ils ont init 8, défense 10, PV 12, attaque plus 3 et DM damage 1d6 plus 1. Et ils se déplacent à 50% de leur vitesse normale. Sachant qu'ils perdent aussi un peu de 20 minutes. Alors, oui. Donc, on va prendre de nouveau lui. Voilà, hop. Et je vais le faire en mode ship, si je peux. Vu que je ne bouge pas. Donc, je ne. C'est quoi en mode ship? En mode consommation, enfin, mode économie. Ah oui, pardon, oui, en mode chip, ok. Tu le fais attaquer qui? Le numéro 6, donc c'est celui qui se trouve en diagonale de Scrooge. Est-ce que tu peux déplacer le token, non? Je sais pas si tu as les droits pour ça. Non, je ne peux pas déplacer le numéro 7. Est-ce que le mettre ici, ça te va? Ou tu veux qu'il soit plus haut encore? Je ne le vois pas, en fait. Ah, en fait, depuis tout à l'heure, je mets ce token, mais vous le voyez pas? Non. Ah bon, je le vois. Moi, je le vois. Hein. Le numéro 7, c'est? C'est un bonhomme. Non, c'est un bonhomme, pardon. Bonhomme. Oui, excuse-moi. Oui, bah, effectivement, je le mets donc, là. Et donc, je te laisse lancer un D20 plus 3. Non, pas un D20 plus 3, c'est... Ah, pardon. Il y a plus 3 en attaque. Excuse-moi. Est-ce que c'est ça le D20? Le D20, c'est l'avant-dernier. C'est celui qui est tout à gauche. Non, c'est le dernier. L'avant-dernier, c'est le D12. D'accord. Et je mets un modificateur de plus 3. C'est ça. Hop. Oh, il a pas... Bon, en fait, ça va être là-dessus. Ah, il faut le mettre sur le chat. Non, ça, c'est le D12. Merde. Tu m'as dit tout à gauche. Bah oui. Oui, c'est le D12 tout à gauche, le D20. Bon, je sais pas ce que j'ai foutu. Ça, c'est un des 12, effectivement, parce qu'il est un peu plus rond. Ah, il est peut-être que ton truc est pas rangé. Ah, il est mieux, d'ailleurs. On est d'accord qu'il est plus rond. J'ai balancé la première fois sur le monstre directement, il s'est mal rangé. Donc, là, tu vas pouvoir lancer 2d6 plus 2. D'accord. Ou 1d6 deux fois, c'est comme tu le sens. Non, t'inquiète pas.
Ah, pardon, je suis désolé, mais... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Je le fais à chaque fois. Je ne m'inquiète pas, c'est juste que je le faisais sur le bonhomme et on peut pas. Ah, bien. Donc là, c'est sur le 6. Donc toi, quand tu animes des zombies, ils sont en mode vénère. Ils sont pleins d'amour. Hein. Donc la créature horrifiée se fait grignoter violemment par un de ses comparses qui est animé en fait et qui lui arrache d'énormes lambeaux de peau que ce soit sur le torse, enfin les dents des rats garous sont quand même acérées et assez violentes et la pauvre créature se fait déchiqueter. Et des héros. Tiens, tu peux. Vas-y Lia, je te laisse relancer un D6 de noyade sur le pauvre géant là. C'est pas de l'asphyxie là, c'est de la noyade. Ah, il est toujours pas mort. Hop. À toi, Martha. Eh bien, je double la taille. Ah, double mince. Ben voilà. Double mince. Ça a marché à chaque fois. Voilà. Tu crames un PC ou pas? Non, tu te les gardes. Ah ouais, oui, t'as raison, oui. Pardon, oui, non, il vaut mieux qu'il m'en reste encore. Hein. Je vais. Enfin, du coup, il m'en restera plus qu'un, oui. Donc t'en crames un. Donc tu touches une fois. Je te laisse faire les dégâts. Voilà. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, il est pas mort. Aïe aïe aïe, je vais mourir. Donc la bestiole perd un gros morceau de non pas un gros morceau, tu la tranches assez violemment, lui créant une énorme balafre au niveau du visage et du bras. Bon, le roi des voleurs, il est rageux et il balance son arbalète de poing dans la boue, dégoûté d'avoir raté le nabo. Et il s'élance dans la mêlée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En enjambant donc son collègue. Et il va embrocher le zombie. Non, ça c'est pas ça. Est-ce que c'est ça? Oui, c'est ça. Non, je vais utiliser celle-ci. Pardon. C'est que le premier, je me suis trompé. Donc 15, il touche. Il fait 7 points de dégâts aux zombies. Toi, t'es qui? Toi, t'es toi. Toi, tu répliques contre le zombie aussi. 9. Hop. Et enfin, le dernier qui était accroché au basque de Martha continue à la grignoter violemment. Alors, le zombie a été démantelé en plusieurs morceaux. Il ne reste guère que la tête qui continue à s'accrocher tant bien que mal à son adversaire. C'est à toi, Ravabella. Je vais essayer de glouglouter une potion. Parce que les potions, c'est la vie. Ah, disons que la vie, c'est bien. La vie. Bah en fait j'en ai qu'une seule, donc en fait je vais en bouffer une grosse. Donc vas-y, bois ta potion, c'est quoi? C'est un D8 plus niveau? Ah non, c'est 3 D6. Oui, c'est des élixirs de guérison. Donc tu récupères 14 points de vie. Donc à 5 de blessure. Voilà, c'est fait. Donc ça c'était une action de mouvement. Alors juste, tu peux me refaire un test de tu peux me faire un test de charisme, s'il te plaît. Oui. Est-ce que donc, c'est important de les réussir? C'est... Mais tu avant l'as réussi. De... Ah, non, c'était... Sinon, oui. Disons, j'aurais pu cliquer quelque chose. Alors, je sais pas si c'était important de le réussir. Je peux juste te dire que tu l'as réussi. D'accord. Et donc, tu entends... Enfin, tu sais... Parce que tu étais quand même un peu focalisé dessus, donc que les bruits de gémissement sont de plus en plus étouffés. Et tu as l'intime conviction que l'un des deux bruits
et ce que tu es venu chercher. Oui. Est-ce que je... Enfin, il y a des règles particulières pour passer à travers la case d'un adversaire ? Non. Je sais plus combien on a de mouvements par tour. Alors, 20 mouvements, donc ça correspond à 10 cases. Oui, mais j'ai plus qu'une seule action de mouvement, du coup. Oui, non, mais c'est 20 mètres par action de mouvement, en fait. Considère que je fais un mouvement, un mouvement vers là-bas, et enfin vers les gémissements, et je précise quand même à mes compagnons en partant, je fais, il y a des gémissements, voilà, juste je dis ça. Et je te laisse me placer, je vais vers le son, bon, et après je te laisse me dire dans quelle direction c'est et faire 10 cases. Concrètement, t'arrives à atteindre à peu près cette case-là. Là, ça fait 7, je crois. Ah bon ? Attends, t'étais où ? 1, 2, 3, 4, 5... Ah oui, non, pardon. Oui, non, donc t'es juste derrière le rat. Autant pour moi. T'es juste là, en fait. Parce que, en fait, la seule... Il faut faire les gens. Oui, et quand tu pars d'une case occupée, il n'y a pas d'attaque d'opportunité ou de blague du genre. C'est chronique oubliée, hein. C'est pas en fait, en vérité, le seul que tu dois vraiment enjamber, c'est le roi, mais sachant que tu peux passer entre lui et le mur. Mais non, mais donc t'as le droit de faire 10 cases, je raconte n'importe quoi. Donc 5, 6, 7, 8, oui, donc t'arrives à aller là sans souci si tu veux faire tout ton mouvement. Oui, je fais tout mon mouvement. Hop. Et donc forcément, vu que j'ai bu une potion, j'imagine que l'arme à deux mains, j'ai dû la ranger. De manière, je compte utiliser mes mains et éventuellement pour retirer un sac à patates sur la gueule. je sens la blague du genre. Et donc, tu vois des choses. Je vois. Oh, wow. Je vois. Alors, tu vois. Je n'ai pas le droit de faire ça, c'est ballot. Non, je ne peux pas faire ça. Donc, vas-y, Scroc, je vais te laisser agir le temps que j'arrive à solutionner un souci pire, technique. Tu fais un premier écran après avoir zoomé pour pas qu'on voit trop et tu m'envoies ça en privé. Non, je peux le montrer à tout le monde, c'est juste que je n'arrive pas à faire ce que je veux. Ah non. Ça, je ne peux pas. Vas-y, Razor, tu peux agir. D'accord. Alors. Je vais. Je vais sortir de l'ombre et faire une petite sournoise au roi des voleurs. On va bien voir qui c'est le roi, quoi. Exactement. Ha ha! Ah. Oh, heureusement la chance est avec moi. J'utilise un point de chance. Ok, donc avec un point de chance, est-ce que ça passe ? Attends, laisse-moi vérifier. 23. 23 quand même. Oui, ça passe. Je te fais un peu flipper quand même. Déjà que normalement on aurait dû avoir deux boss. Je dis ça, je dis rien. Alors, les dégâts 8 et la sournoise 22, c'est pas mal. Ouf. Ok, il a pris bien cher. À toi, Bart, tu peux lancer sa suffocation, son asphyxie. Il va mourir lentement. Non, c'était un D8. Un D8, ah c'est l'autre. Il y a le rat. Et le rat aussi là. Ah non, pardon, excuse-moi. Excuse-moi, oui. Donc un D6 pour le rat, oui. Donc il meurt très lentement celui-là. Et ensuite t'as un D8 pour le roi. Hop. Donc ça fait 32. Oh le roi. Le roi il fait. Oh la merde. Il fait pas le fier le roi. Pour. Les gars, alors je vais me reculer pour ce que ça change. Et c'est important de faire. Hmm.
Oh, on va le brûler, merde. Tant pis. On va essayer. Brûlez tout. Oh, je vais tenter une flèche enflammée, mais comme j'ai bougé, je ne peux ni augmenter ni réduire les. Voilà. Donc ça touche, mais je te demanderai. Pardon. Alors. Non, c'est pas grave. Donc ça touche. Hop. Donc si ça touche, il n'y a pas de mais. Hop. Donc c'est flèche enflammée que t'as fait. Putain, alors le gars il s'asphyxie et en plus il s'enflamme. La totale. Il a plein de dots. Allez, à plus. Hein. À toi Myrna. Ouais, bah du coup, j'aimerais, enfin, Myrna va viser les jambes du roi du voleur et afin de l'immobiliser, et va tendre la main et faire pourrir les chairs de ses jambes. Oh, mais pourquoi tant de haine ? Et elle va le faire que... version cheap. Il me semble qu'elle perd du coup, excuse-moi, donc en se concentrant très fort. Elle perd 2 points au lieu de 3 si je ne m'abuse, c'est ça ? C'est quoi ? C'est putréfaction, donc elle perd 1 point. 1 point au lieu de 3. Oh, génial. Hop là. J'espère que ce n'est pas les dégâts que je fais sur le roi des voleurs. Alors, c'est d'abord... Oui, excuse-moi. Tu avais d'abord un test d'attaque à faire. Un test d'attaque, excuse-moi, je me suis trompé. Un test d'attaque magique. Ouais. Voilà. Voilà. Et donc après, tes dégâts vont être doublés. Mais attends une seconde. Là, pour le coup, je vais l'activer. Donc, je reviens. On était comme ça. Voilà. Et donc, au moment où tu lances le sort, tu as un des hop. Tu as le comment il s'appelle ? Le rat qui était en train de se faire bouffer par ton zombie, qui s'interpose et qui prend le sort de plein fouet sur la gueule. D'accord. On considère que les dégâts que j'ai fait tout à l'heure concernent. Enfin, tu vas les relancer, mais non, d'accord. Non, tu vas les relancer, mais dans tous les cas, je pense que ça va être suffisant pour tuer la créature. Mais vas-y. Donc je n'ai pas fait. Excuse-moi, t'as pas besoin de les relancer parce que dans tous les cas, tu le tues. Même si tu fais le strict minimum, vu qu'ils sont doublés et que t'as fait 6, tu vas le tuer dans tous les cas. Et donc la créature pourrit littéralement sur place et tombe en lambeau devant au pied du roi. Donc le 6, c'est lui. Un de moins. Et elle lance une grande frappe enthousiasme avec sa main pourrie sur le dos de Gerfold. Mais lui, il rend son dernier soupir. Hop, il rend son dernier soupir dans la. De noyer, malheureusement. Et Martha, c'est à toi. Alors, par contre, j'avais une question, j'ai oublié que j'avais ça. Est-ce qu'ils sont humanoïdes ? Est-ce que je rajoute mon plus 1 aux dégâts de loup parmi les loups ? Bonne question. J'ai un gros sourire. Tu les as décrits comme rats humanoïdes. Alors attends. Selon les règles de DD5, ils ne seraient pas humanoïdes. Oui, voilà. Puisque souvenez-vous qu'un golem de chair n'est pas un mort-vivant et qu'un homme lézard n'est pas humanoïde. La bonne question, est-ce qu'ils sont humanoïdes ? Moi je pense qu'ils sont humanoïdes. Pour ce coup-ci, j'ajouterai plus un dégât si je touche. Ouais. Plus j'ai moins. Oui, bon. Ah, et pas voilà. Bon, c'est pas... Eh ben dis donc, heureusement que j'ai vécu mal. Putain. Je pensais que tu l'aurais décapité sur ce coup-là, tiens. Alors, Bertold, là, tu vas pouvoir lancer tes dots. Hein. Donc, t'as un D8 et un D6. Allez, tiens. Putain, il se prend 10. Hop.
à l'article de la mort, quoi. À l'article de la mort. Là, tandis qu'il est en train de brûler de partout, il est en train de s'étouffer, de brûler. Il est à l'article de la mort. Il s'en est fini du roi. Vous le voyez porter la coupe à ses lèvres. Non. Et d'un coup, en une fraction de seconde, toutes ces plaies se referment. Oh, c'est dégueulasse. Toi, t'es pas réapparu, je crois. Si, t'es réapparu. Pardon, autant pour moi. Si. Donc toutes ces plaies se referment et il porte donc un regard vers toi qu'il a planté dans le dos et il dit « Et maintenant, le match retour. » Hop. Ok, donc c'est mon tour. Hein. Non, pas encore. C'est à son tour à lui. Là, tu faisais d'accord. Juste les dots. Les dots de son début de tour. Voilà. Bon, donc il ne touche qu'une seule fois. T'as pas un truc qui te permet d'esquiver, non ? Non, il me semble pas. Hein. Bah, le MJ, peut-être, non ? attends, c'est bon, quoi, donc il te plante une épée, son épée courte dans le buffet. Ah, j'étais pas sûr. Bon, que t'as pris. Pardon. Ah. Une fois par combat, le dualiste peut esquiver une attaque qui devrait le toucher et s'arranger pour que celle-ci affecte un autre adversaire à son contact. Mais il n'y a pas. Mais il n'y a pas. Il y a un zombie. Il y a le zombie. Tu peux faire en sorte que ce soit le zombie qui prenne le coup. Est-ce qu'on peut faire ça ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Écoute, ce serait un allié, je te dirais non. Mais là, c'est un zombie. Oui. Comparer le test d'attaque à la def de la nouvelle cible pour savoir si celle-ci subit des dégâts. Bon, ça passe. Donc là ça passe. Cherche pas. Bon, voilà. 28. Bon, donc le zombie se fait décapiter pour le coup. D'accord. Ah mais c'est Martha qui avait reçu les. Non, moi j'ai cliqué non. Sur une mauvaise touche, moi, pardon. Ah oui, d'accord. Non mais je comprenais plus Martha, là. Martha depuis tout à l'heure elle aime bien lancer des dévents. Ok. Donc toi je te guéris de tes dégâts. Donc c'est bien ça, il m'a pas touché. Bon, il est quand même un peu dégoûté de t'avoir raté. Donc. Ah bah écoute, l'orage géant, il continue encore à grignoter. Ah putain, j'avais raté, j'avais oublié qu'il avait une double en action limitée, il pouvait attaquer deux fois. Il aurait pas pu boire à la coupe et attaquer deux fois, non ? C'est un boss. Ah, là je commence. Alors, non, le roi des voleurs, il peut. Je parlais des rats géants qui, en action limitée, peuvent attaquer deux fois. J'avais oublié ça. Donc là, Martha, il me semble qu'elle fait plus trop la fière. Oh, ouais, ça va. Non, alors, Ravabella. Ravabella. C'est assez cocasse. Que ça se passe comme ça, mais écoute, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc, tu as devant tes yeux deux individus qui sont bâillonnés. Donc, tu as un humanoïde, alors que vous n'aviez jamais rencontré jusqu'à présent, qui correspond à une description qui vous a été faite, mais vous n'avez jamais vu de vie. Ouf, vu. J'ai cru. Et toi, qui est donc attaché, ficelé à une chaise, renversé à même le sol, pardon, tandis que l'eau donc maintenant est à hauteur de la gorge, et que donc tu peines à essayer de maintenir ta tête hors de l'eau. Et donc là, tu croises des regards ton double, donc tu vas pouvoir échanger de personnage et tu vas être la personne maintenant qui est ligotée à même le sol. En passant, je pouvais ramasser l'arbalète, la foutre dans mon sac, non. Je voulais te le dire au porto précédent, mais je n'ai pas voulu te couper après. Bah quoi, attends, j'entends les gémissements, il y a l'arbalète, juste en passant, allez hop, un petit... Tout ça pour voir des scènes de cul, hein. Ouais,
Hop, tiens, ouais, on échange. J'ai pas pu attraper. Alors, peut-être que tu aurais pu, on ne sait pas. Alors, la bonne nouvelle, c'est que t'es full point de vie, mais ça, tu t'en fous. la mauvaise. Non, mais j'ai bouffé un 3d6 plus quelque chose pour ce truc, pour je ne sais pas quoi. Pour ce truc. Donc, la mauvaise nouvelle, c'est que tu es donc ficelé à même le sol, à deux doigts de te noyer, parce qu'en plus, t'es attaché à une espèce de tabouret qui te maintient au sol. Ton voisin de cellule, donc tu sais que c'est Bertrand pour le coup. Donc ton voisin de cellule n'est guère mieux loti que toi. Et donc tu as deux doigts de te noyer. Et tu vois cette créature qui débarque en face de toi, qui a tes traits, qui a tes vêtements, qui a ton équipement, et qui a une furieuse lueur meurtrière dans le regard, nimbée d'un soulagement malsain. Tu te dis, tiens, ça y est, elle a trouvé ce qu'elle est venue chercher. Et manifestement, tu ne vas pas passer un bon quart d'heure. Jusqu'à présent, j'étais plus occupé à essayer de monter sur la table. Là, je crois que j'ai un autre problème. Bah quoi, la table, elle est plus au-dessus du niveau du sol. Hein. C'était déjà mieux que rien. Effectivement, on est tout à fait d'accord que si tu cherchais à atteindre la table, tu pourrais grappiller quelques précieuses minutes. Donc, que fais-tu ? Je continue d'essayer de monter sur la table en espérant, en me disant que je survivrai pas longtemps quoi qu'il arrive. Alors à force de te débattre, tu sens que tes liens te cisaillent cruellement la peau, mais tu as senti un petit peu plus de jeu au niveau des liens. Parce que t'imagines que ça fait depuis le début du combat que t'es en train de te débattre avec ça. Je vais essayer de les ripper contre le les ripper contre le bois. Contre l'angle du tabouret ou du banc. Alors tu peux me faire un test de dextérité, sachant que tu dois annuler le malus d'armure parce que t'es pas en armure. Je crois que c'est deux qui m'enlèvent l'armure. Oui, parce que je fais des tests à zéro alors que j'ai plus deux. Attends, j'ai quoi qui augmente la dextre ? Non, rien d'intéressant, hein. Non, rien. Non, je crois pas. Donc t'as un bonus de plus deux, c'est ça. Ah là là, je crois que j'ai bouffé mon dernier point de chance. Mon dernier point de chance. C'est-à-dire que j'en ai bouffé un pour ce truc aussi. Pour pas qu'elle se fasse mal. Salope. Pour pas qu'elle se fasse mal. Pour pas qu'elle se fasse mal. C'est quand même ballot. Oui, tu crames ton dernier point de chance. Très bien. Donc, juste. Alors, au moment où tu voyais la créature. Ton double s'approchait de toi, épée levée et prêt à l'abattre pour te trancher la gorge. À la dernière seconde, tu as les liens qui cassent et tu peux faire un mouvement d'esquive juste sur le côté en te jetant dans la boue. Et donc tu sens juste le vent de la lame tranchant te sectionner une mèche de cheveux et tu as évité in extremis l'attaque. Il te reste une action. Je vais essayer de me déplacer vers le tonneau, vu que j'ai dû esquiver sur le côté comme ça, on va dire à peu près. Vu que j'ai sauté sur le côté ou comme ça, vu que j'étais sur la case là. Le but, c'est d'esquiver vers Todd et lui attraper les poignets et d'essayer de le remonter en essayant de le relever tout en mettant une table entre moi et la chose. Alors, de toute façon, mais arrête d'essayer de le sauver, putain. C'est un bouclier humain, je le sauve si je veux. Qu'est-ce que c'est que ça, laisse-le. Le simple fait déjà de l'attraper et de lui relever la tête hors de l'eau va lui permettre de gagner un tour. Et donc... Je vais le foutre sur la table et je vais me casser quoi. Je veux le foutre quand même. Ok. Oui, il y a toujours la table. Donc je le tire vers la table en espérant qu'il réussisse à monter dessus. Donc, tu le mets par ici, on va dire, et toi tu t'es mis là, c'est ça. Voilà. À toi, Scroc. Eh ben écoute.
Moi, c'est simple. Il n'y a personne qui va venir. Est-ce que je repère simple, je vais le suriner. Bah non, le problème, c'est que si je veux profiter de la sournoise, il faut que je reparte dans les ondes. Hein. J'ai pas le choix, là. J'ai pas le choix. En tout cas, pour l'instant. Je repars dans les ombres. Tu te réoccultes. À toi, Berthold. Qu'est-ce qu'il a fait, l'autre ? Lequel ? Le rat, là. Enfin, le... Pardon, Scrock. Scrock ? Bah, Scrock, il a redisparu dans les ombres, en fait. Il est replanqué. On a un mec immortel qui peut à chaque fois revenir full vie. Bon, je vais... je sais pas, j'avais deux trucs, mais en même temps, ça me fait chier. Pour une fois qu'il y a quelqu'un d'aussi sadique que moi qui va être dans la merde... Ça va créer un peu de, tu vois, un petit peu de teamplay, je sais pas. Bah écoute, je check un truc. Ok. On le voit, le rat géant, ou pas, là ? Le dernier, oui, tu le vois. D'accord. Faut que j'arrête de penser qu'il y a une logique dans les lignes de vue. Mais en fait, très clairement, il y a une logique dans les lignes de vue, si t'étais pas magicien. Toi, en tant que magicien, tu discernes sa silhouette, ça te suffit pour le cibler. Un archer, un tireur, il serait emmerdé, mais pas toi. Ok, bah écoutez... Je vais faire un... il a l'air pas bien, le rat, là ? Ah non, le rat, il a pas l'air bien. Ok. Bah, écoutez, on va essayer d'aggraver sa situation. Oui, s'il vous plaît. Parce que moi aussi, j'ai pas l'air bien, en fait. Ok, bah c'est parti. Je vais... Bah écoute, je calcule ce qui est mieux. Bon, je vais le réasphyxier, hein. Je vais l'accélérer en améliorer. Hop, ça me coûte 1. Ah donc oui, pour que ça coûte, pour qu'il ait plus mal. Oui. Enfin, plus mal. Plus mal. Allez, c'est parti. Oui. Touche. Hop, et donc... Ça le tue. Ah, chouette. Bon, pour être précis, il tombe à 0 PV, mais comme c'est un PNJ mineur, ça suffit à le tuer. Donc, de fait. Mais il s'effondre sous l'impulsion de son sort, il s'étouffe. Et déjà largement épuisé par l'affrontement, c'est suffisant pour épuiser ses dernières forces. Et il s'effondre inconscient dans la boue. À toi, Myrna. Eh bien, Myrna, elle sait pas vraiment quoi faire. J'ai des trucs rigolos qui me viennent à l'esprit et débiles qui ne servent à rien. Mais maintenant, niveau HRP, niveau strat, si le mec se guérit avec toutes ses blessures... Bon, en gros, il faut lui enlever la coupe, quoi, mais bon. Vous disiez qu'il n'y avait pas de... Oui, il faut lui enlever une coupe. Ah, il en a qu'une, il en a pas deux. Hein. Ouais. Il a une sacrée coupe. J'imagine le mec, il en a plein autour de lui. Bah écoute, j'ai essayé de faire ce que je peux. Je vais. Je vais pouvoir faire mon petit truc rigolo. Je vais faire lancer peur. Et la manière dont je vais lui lancer peur, c'est que
elle va lui faire un petit clin d'œil et lui envoyer plein de petits bisous avec son magnifique visage. Genre en soulevant le cuisseau. De toute façon, on a un tour en mode dégueulasse, quoi. En mode sorcière des marais, quelques épisodes. Ça, pour lui faire peur. C'est ça. Et je n'ai rien à lancer, du coup. Si, pour force, tu dois avoir un test d'attaque, certainement. Ah, d'accord. Peur. Peur, oui, t'as un test d'attaque magique. Est-ce que je peux dépenser en plus ? Un point de chance, tu peux. Ouais, je ne sais plus où c'est. C'est juste à côté des points de magie. D'accord. Attends. Hop, c'était intelligence. Et mode alors ? C'est dans équipement, option. Et les points de chance ? Non, c'est. Enfin, le point de chance, tu vires. Tu diminues ton quota actuel. Tu le passes d'accord. À 3. Et donc moi, je dois faire un test de force ou sagesse. Mode 10 plus mode intelligence. Ah oui, pardon, force ou sagesse, les difficultés, c'est 13. 13, ok. Bon, à mon avis, il va réussir. C'est tellement la loose. Ok, bon, bah donc, voilà. Ça, c'est fait. On sait pas ce qui se passe. Mais nous, on a rien vu, hein. Ah, mais vous voyez pas mes jets ? Non. Non. Ah. Non, tu les as mis en cachet. Ah bon, bah, alors attendez. Alors, en fait, non, il se passe attendez, rien. Attendez, peut-être qu'il a réussi. Non, en fait, il a réussi. J'ai fait 5. Donc voilà. Ah non, je croyais que vous voyez, je pensais avoir configuré de sorte que vous voyez mes jets, pardon, autant pour moi. Non, tu jettes donc j'ai fait 5, donc le sort va le toucher, et en plus, pendant 6 tours, non mais c'est bon quoi, enfin, c'est ridicule. Donc, pendant 6 tours, il va fuir le truc. Et voilà, en mode économie, les trucs niveau 1, ils valent 0 ou ils valent 1 quand même? Ah, il va le 0. Yes, donc Kratos. Okay. Donc Martha, c'est à toi. Alors vous avez vu le visage du roi être déformé par la terreur. Ah oui, c'est très bien, mais je vais sortir ma potion magique et la boire pour l'instant. Ma potion de soin. Un petit test de charisme aussi, parce que on sait jamais. Qui? Moi? Oui. Ah bon? Pourquoi un test de charisme? Je sais pas, parce que l'autre il devait en faire un, donc j'en sais rien. Ah non, il devait en faire un, mais pour une autre raison. Pas encore pour Martin. Pas encore. Ma potion de soin 1D8. Vas-y. Ah, donc une petite potion de soin que tu bois, c'est pas de l'élixir. Pas moins 2, hein, j'ai fait 7. Pourquoi un D8 moins 2? C'est parce que c'est y a mon modificateur d'attaque double. D'accord. Mais j'ai fait 7. T'as fait 7, donc t'es à 29. Merci, voilà. Et du coup, restez là. Bon, bah lui, il terrorisé, il va, écoute, il va fuir. Hein. Alors, il a. Il lâche la coupe qu'il fait tomber. Il lâche qu'il tenait en main. Il lâche une de ses deux épées courtes, l'autre étant toujours fixée à sa ceinture. Et vous le voyez s'enfuir en trombe, prenant les jambes à son cou. Alors tant bien que mal, maintenant l'eau étant tellement haute que ça devient de plus en plus difficile de se mouvoir. Mais vous le voyez s'enfuir vers le fond de l'antre. Et donc, tout est bien qui finit bien, si seulement quelqu'un n'essayait pas de tuer quelqu'un d'autre. N'est-ce pas, Ravabella? Si tu parles, je t'entends pas pour le coup.
J'ai dû couper le micro. Il est sur ta table ? Alors attends, là, 2 minutes. Donc c'est elle qui va agir. je suis en train de regarder tes statistiques. Donc elle tente... ça va être exceptionnel. elle tente de contourner la table tant bien que mal. Alors, c'est compliqué de se mouvoir, mais elle essaye. Et elle va tenter de te trancher avec sa vive lame. Ou ta vive lame. C'est ta vive lame, je pense. Oui. Ouh, j'ai vu le vin. J'ai tellement vu le vin. Si on retire ton armure, t'as combien en armure ? T'as 4. Ah oui, non, mais... ouais, sans armure, il y a des chances que ça me touche. Hein. Oui, parce que c'est moins 4, donc tu serais à 18. Donc oui, ça te touche. Ça te touche et ça te blesse. Et là, c'est à toi d'agir. Bon, bah... Avec toute cette boue, t'es plein pour s'infecter. Tout à l'heure, quand machin a perdu patience, pendant que j'étais en train d'essayer de sortir la tête de l'eau, je l'ai vu balancer son arbalète. Ouais. Bah, j'ai pas mis au niveau arme, donc je vais essayer d'aller récupérer l'arbalète. L'arbalète est par là. Voilà. Quelque part fouiller la boue. Hein. Disons que c'est bon, et donc les autres. Les autres, vous voyez donc Ravabella, une Ravabella blessée avec une chemise de nuit. Mm-hmm. Oui, en fait, oui, totalement. La fameuse nuisette de nuit elfique. Donc elle est vraiment vénère, hein, vu qu'il n'y a plus rien en dessous. Il n'y avait rien en dessous. Voilà, donc vous voyez Ravabella en nuisette elfique débarquer dans le couloir, affolée et en train de fouiller la boue à la recherche de l'arbalète. Mais non, mais il a lâché la coupe ici, bidule. Rava. Plusieurs gens, on tente de me tuer et au passage l'écuyer en train de se noyer. Hein ? L'écuyer. Comment ça, on tente de tuer ? Et puis qu'est-ce que t'as fait de ton armure ? Et donc je continue de fouiller la boue. Donc Scrock, c'est à toi. Alors toi, t'as vu ta proie se barrer dans le couloir en hurlant après avoir lâché derrière lui la coupe. Aïe. Écoute, je ramasse la coupe. Et on s'en va. Puis on a la clé, on sort. Quoi. Par où ? Oui, c'est ça, par où ? Non, je dis non, non, je ramasse pas la coupe parce que je suis toujours dans les ombres, moi. Dans les ombres, là. Ouais. Donc, tu réapparais, mais ouais, à 10 mètres de ta position. Ouais, donc je réapparais à peu près par là. De toute façon, j'apparais devant Ravabella, quoi. C'est ça. Voilà. Si tu le souhaites. Ouais, tu veux planter Ravabella si tu veux. Mais... C'est ça. Et j'utilise mon attaque d'opportunité. J'ai pas confiance. Je suis sûr que c'est pas Ravabella. J'essaie de me tuer. Est-ce que c'est un suicide là pour le coup ? Est-ce que c'est une tentative de suicide ? En tout cas, en réapparaissant à cet endroit-là, tu vois clairement dans la petite pièce du fond, donc Bertrand ligoté et essayer de tenir tant bien que mal sur une table qui elle-même commence à être submergée par les eaux. Et l'autre Ravabella avec son épée, sa vive lame, dans l'angle de la pièce. Et là, j'imagine. Et traîner 200 dessus. Et là, j'imagine les deux Ravabella. Non. Étant donné qu'il y en a une qui est toute frottée, quoique c'est un gobelin, hein. Est-ce que le toit sur la boue, ça ne te donnerait pas les idées ? Seulement c'était que de la boue. C'est ça. Ouais, c'est un gobelin, un peu, hein. Même si c'était pas que de la boue. Hein. Ah. Ok, c'est à moi. Un des stéréotypes. Je
trouve qu'on stigmatise trop. Exactement. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est à moi de jouer ? Oui. Ouais. Ok. On en est où niveau inondation ? Eh ben, ça continue de monter. Ça continue de monter et tu dirais que d'ici... D'ici 5 minutes, toute la pièce jusqu'au plafond, enfin toute la salle où vous vous trouvez, l'antre, où vous vous trouvez jusqu'au plafond, risque d'être inondée. Ça va, vu la vitesse à laquelle... Il est parti où l'autre con ? Et il est parti vers la gauche. Pas de la droite. En fuyant, il est parti. Ah oui, donc vers ta droite. Ok. Ils sont partis dans la même direction. Ok, bon écoutez, je vais me concentrer et je vais voler. Alors. Tu pars une robe, c'est ça ? Je pense que ton sort ne s'était pas arrêté. Bah si, quand même, ça faisait des minutes et des minutes, ça faisait un moment quand même. Impossible. Après, en termes de combat, c'est possible. Ouais, je sais pas, au cas où je vais le remettre, et c'est parti, je le mets en écho, ça me coûte 2. Et je reviens, j'ai quelqu'un qui s'est barré, là je vais le chercher. Il nous a oublié. Donc c'est vol. Donc c'est 5. Vol. C'est 5. Tu l'as lancé en concentration ? Non, en moins cher. Oui, donc en concentration moins cher. Donc, c'est 1d6. 5 plus 3. Oui, mais j'ai fait. Enfin, en le mettant sur. Écoutez, je le relance. Oui, non, mais très bien. Non, mais c'est bon. C'est... Voilà. De toute façon, ça sera très cher. Et hop, et je peux bouger. Ah non, je peux pas bouger encore. Et hop, si tu l'as fait en concentration, non. Ouais. Et toi, Myrna ? Alors, Myrna, elle va ressusciter un rat restant sur le sol et elle va se diriger vers le bas en lui demandant de la garder pour la protéger et essayer de voir ce qu'il y a en bas. Oui, un rat géant. Tu lances pas en concentration. Évidemment, j'étais en train de me retirer les points okay. Sans le dire, effectivement. Basse consommation. Donc, ah, mais non, si c'est en basse consommation, tu te déplaces pas pour le coup. Alors, j'enlève les deux points, tant pis. D'accord. Hop. Effectivement, j'avais oublié, excuse-moi. Hop. Et donc, je remets une icône de. Il nous aura beaucoup servi. Hein. Hop. Non, j'ai pas ramassé la coupe, moi. Et donc, Martha. Ben, moi, je n'ai. Enfin, si, non. Quoi, non. Est-ce que j'ai vu où la coupe était tombée ? Parce que j'étais dos à vos prises avec un rat à ce moment-là. Ouais, mais il était mort. Ah oui, c'est vrai. Bon, et eh ben en tout cas, j'avance à dire la coupe, il me semble qu'elle est dorée au milieu du marron. Enfin, oui, ok. Ben en tout cas, je tente de ramasser cette coupe. Alors c'est peu ragoûtant, mais tu n'as pas trop de difficultés enfin, peut-être qu'une fois ou deux tu remontes des trucs qui avaient la consistance de l'or, mais qui n'en étaient pas, plutôt celle du bronze. Mais sinon oui, enfin, tu finis par retrouver la coupe sans difficulté et la remonter. La mettre, je sais pas, dans ta sacoche ou la garder en main, mais tu as la coupe sans problème. Voilà. Il faut sortir maintenant. Et voilà. Donc Ravabella. Alors. Laquelle ? Tu. Mais, ah oui, bonne question. Laquelle ? Ben, c'est d'abord l'autre qui agit, donc qui se traîne tant bien que mal vers toi. Donc là, Scroc, tu vois bien l'autre Ravabella qui. Qui manifestement a quelque chose, a un compte à découdre, un compte à un problème, voilà,
à rendre, un compte à rendre avec, avec, avec son clone. Et il y a une furieuse envie de... Et qui touche. D'en finir. Non, qui touche pas parce que je lui ai donné, pour combler ton... Enfin, je lui ai donné un bonus de plus 4 et malgré ce bonus, elle t'a pas réussi, elle t'a pas atteint. Donc, elle touche pas. Donc il y a deux elfes qui sont en train de se battre dans la boue. Il y a deux elfes, dont une en nuisette extrêmement courte, oui. Et avec qui en dessous. Bien sûr, je ne les sépare pas. C'est exactement ce qui se passe. Donc là, c'est à l'autre Ravabella d'agir. Est-ce que j'ai réussi à attraper un truc dur pour, pour me défendre avec ? Alors, t'as tenté de remonter l'arbalète de points, mais tu t'es vite rendu compte que c'était inutile parce que t'avais pas de carreau. Et à la place, t'as remonté une pierre. Bon, bah... Je me dis qu'un banc, ça a l'air solide. Donc j'allais mettre debout sur la table et enfin je vais essayer d'attraper un banc pour me mettre entre moi et l'arme. Et ouais, on essaye de on survit comme on peut, hein. Ouais, c'est vachement moins épique, hein. Il me semble que ça manque d'épique là, effectivement. J'attrape le banc, je me fous sur la table et au moins je pourrais essayer de la repousser, hein, avec la longueur du banc, je vais la repousser loin de moi. Écoute, au moins tu vois l'air un petit peu subjugué de Bertrand qui comprend absolument pas ce qui se passe, et qui te lance un regard un petit peu bovin, c'est priceless. Ah oui, je suis debout à côté de lui qui essaie de dresser sur une table, alors ouais, bon. C'est ça. Ouais. Bon. J'ai plusieurs gens à penser. Ouais, bah j'ai plus ou moins plusieurs gens à penser, hein. Au hasard, on essaie de me tuer. Scrog, c'est à toi. Riser. Oui, oui. Je suis en train de me dire que... Est-ce que... La connaissant déjà depuis très longtemps, est-ce que je peux quand même avoir une idée de qui est... De qui est la bonne ? Qui est la bonne ? Elle m'avait pas parlé de sa jumelle, là. Alors, elle t'a jamais parlé de sa jumelle. Après, qu'est-ce que tu connais, Dravabella ? Si tu dois la décrire en trois mots, quels sont les mots qui te viennent à l'esprit ? Petit caillou. Alors nuisette ne compte pas. Petit caillou dur. Non, c'est pas, ça compte pas. Ça. Petit caillou dur. Ouais, bah j'ai. C'est bon, j'ai les trois. Non, qu'est-ce que. Après, je sais pas sur le visage, sa façon de se battre, son regard, son... C'est vraiment rigoureusement identique. Son regard, difficile à dire. Il y a une envie meurtrière vis-à-vis de l'autre. Oui, ça c'est sûr. Celle qui est à côté de moi, comment ? Je lui balance. écoute, je vais t'aider. On va foncer sur elle. Tu te souviens comme on avait fait dans le petit campement qu'on les avait pris en tenaille. C'est une vraie anecdote ou c'est une fausse anecdote ? Ben non, c'est une fausse. Ça aurait pu être une vraie anecdote, hein. Bah en fait le truc c'est que moi je pensais à l'assaut sur les du début de campagne ou l'assaut des orques sur le campement justement. Non mais enfin ma question c'est en soi, est-ce qu'il fait référence volontairement à une fausse anecdote ou est-ce qu'il fait je fais référence à une fausse anecdote. À une fausse anecdote pour l'induire l'induire d'erreur. Voilà. Alors, c'est ça. Juste relire un truc. Ce que je suis pas sûr. Ah.
Ok. Très bien. Donc, elle te regarde interloquée, ne comprenant pas. Je ne comprends pas à quoi tu fais référence. Tu préfères pas plutôt qu'on fasse comme dans l'attaque du camp d'ouvriers. On tue les deux et c'est bon. Bon ouais, on va pas s'emmerder. Hey, je suis pas d'accord. Oui bah je lui fais un petit clin d'œil, je lui dis ok on fonce. Et donc vous foncez pour tuer Ravabella? Bah oui hein, de toute façon c'est le but hein. Mais laquelle, Ravabella Nuisette ou Ravabella Ah ben bah, de toute façon moi je parlais moi je parlais à celle qui était à côté de moi hein. Et c'est laquelle qui est à côté de toi maintenant? Comment ça, celle qui est à côté de toi, elle est en chemise de maille. Celle qui est à côté de toi, elle est en chemise de maille. Et c'est... Donc en gros, je veux juste savoir, tu t'apprêtes à attaquer laquelle? Celle qui est en nuisette ou celle qui est en chemise de maille? Celle qui essaye de tuer, celle qui est en nuisette. Bah, moi, j'attaque. Moi, par rapport au plan, hein, j'ai parlé à celle, et je suppose que c'est celle qui est tout de suite à côté de moi. Voilà, et donc je fonce vers celle qui est sur la table. Donc celle qui est sur la table et en nuisette. Voilà. Okay. On précise à chaque fois, hein, que on n'est pas. Non mais parce que voilà, histoire d'être sûr que on. Oui. Voilà. Celle qui est à poil, voilà. Même si ça me fend le cœur, j'attaque celle qui est en nuisette. Donc bah Ravabella, tu vois Scrock qui commence à s'élancer vers toi. Alors je sais pas, tu t'apprêtes à faire quoi, Scrock? Eh ben, je passe dans les ombres. Bravo. Alors, bravo. Très beau plan. Je m'élance et hop, je passe dans les ombres. Le pire, c'est que généralement, c'est ce qu'il fait justement. Ça reste cohérent, c'est le genre de technique qu'il utilise. Donc, on peut pas lui en vouloir. Vu comme ça, il se mouille pas trop. À toi, Berthold. C'était une magnifique manière de jeter la patate. J'ai fait 10 là. Ah. Alors, tu fais des mouvements, tu. Ah oui, pardon, donc pour voir la pièce, excuse-moi. Oui, il faut que je descende un peu. Donc, tu as le droit à une deuxième action de mouvement ensuite derrière. Il est pas là le Gus? Non. Putain, mais il est où? Mais il était. Après, on t'avait dit qu'il est parti vers la gauche, hein, mais sans souci. Hein. Ouais. Il est à droite, à gauche, c'est pas grave. Je vais aller au fond. Donc là, ici, en allant vers le fond, tu découvres un escalier qui monte. Et qui monte avec une porte close au bout de l'escalier. Alors, aller à la porte, oui, tu peux aller jusqu'à la porte. Et donc la porte est barrée en fait, est verrouillée, mais avec une, je ne sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de barricade, de barrière qu'on pose. Comme dans les châteaux là. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Donc cette poutre est posée donc de ton côté, c'est-à-dire que pour ouvrir la porte, il suffit de virer la poutre. Poutrer la porte quoi en fait. Suffit de dépoutrer la porte. Voilà. D'accord. Bon bah écoutez, j'ai fait mon mouvement, j'ai été jusqu'à la porte. Je reviens. Toi, Myrna. Bah, est-ce que de là, je peux pas voir le reste de la pièce un peu plus vers notre droite? Ah, pardon. Excuse-moi, si t'as raison. Ouais, j'aurais dû vous la montrer depuis tout à l'heure. C'est un espèce de dortoir, en fait. Du coup, là, il y a des trucs qui flottent. Quoi. Ça n'a pas l'air très intéressant. De toute façon, c'est pas dans un dortoir où je vais trouver des choses. Elle va continuer à avancer. Donc, attends, j'étais là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je vois là, du coup? Alors, là,
Plus ou moins la même chose. Alors cette pièce-là, ça ressemblait à un bureau certainement. Tu vois tout un tas de parchemins qui flottent, des livres, des plans. Est-ce que ça a l'air intéressant dans les bouquins ou les bouquins de sort Alors non, c'est pas des bouquins de sort. Ça ressemble plus à des plans de la ville, des plans des maisons, des plans des manoirs. Ok, bon bah j'avance. Donc, des des trucs de voleurs quoi. C'est ça. Donc là j'ai fait mes 10 pas et je vais continuer. 1, 2, 3, 4. Hop. Hop. Oh bah c'est la même chose. C'est ça. C'est... Est-ce que il y a... ça continue à gauche? À gauche, non. C'est un mur. Pardon. Ok. Voilà. Non, il n'y a pas de problème. J'ai pas été. Attends. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, je m'arrête là. Hop. Donc voilà, ici tu as fait le tour. 20, c'est, ouais. C'est 20. Hop. Et donc, attends, il n'est plus là parce qu'il a pris l'escalier. Il n'est plus là, il a pris l'escalier. Hop. Et donc tu vois un autre escalier qui mène tout droit, qui lui aussi monte. D'accord, bah je ne peux plus rien faire. Ton zombie n'est pas directement derrière toi. Au mieux, il est par là, puisqu'il se déplace qu'à 50% de ah sa Ah oui, sa c'est vitesse. Vrai. Martha, qu'est-ce que tu comptes faire? Donc, Martha a récupéré le calice. Martha... qu'est-ce que vous foutez se croquer à cœur à va donc et je chope Rava par le bras, je dis on n'a pas le temps de niaiser là, faut trouver la sortie. Et je crie allez on s'en va là. Et voilà. Donc Martha te répond oui nous partons Rava. Rava Bella te répond oui nous partons mais d'abord nous devons prendre Bertrand et nous devons tuer cette chose. Bertrand. Il s'appelle pas Bertrand. Bertrand. Encore moins de respect que pour Orto. Non, mais tu sais, c'est passé un certain âge, on pardonne tout aux gens. Tu sais. Voilà, mais je dis ah mince. Et du coup, là, j'ai encore du mouvement pour foutre une tarte à quelqu'un là ou. Tu veux foutre une tarte à qui? À Bertrand. Qui est en train d'essayer de survivre sur sa table avec une belle vue pour sa fin. En tout cas, voilà ce que je vais faire. Je vais. Ah, je sais pas, ça va être un test de bluff, mais bon. Enfin, voilà, ça existe. Je vais avancer de manière menaçante vers la deuxième Rava Bella en disant mais c'est qui toi? En disant mais dévalure. J'attaque ça, j'attaque le truc. Mais sans l'attaquer, je veux juste. Tu t'avances de manière menaçante pour attaquer, voilà. Pour donner l'impression que tu vas attaquer, Rava Bella. Bon. Je suis très convaincu, hein, je mets mon banc dans la direction. J'essaie de protéger tant bien que mal. Donc, histoire d'être sûr de bien saisir la situation, nous avons donc Rava Bella qui est armée d'un banc extrêmement dangereux sur une table qui a tenté de sauver et qui maintient de temps en temps. Je tiens le banc d'un bras tant bien que mal et j'ai attrapé Bertrand. J'essaie de le tenir le plus haut possible, mais bon, je ne suis qu'une faible femme. Donc nous avons une elfe en nuisette. J'imagine que si je l'aide à se lever, il va essayer de tenir debout sur la table quand même un minimum. Il tient sur ses genoux, mais après, je te rappelle que lui, il a encore fixé avec ses liens à un tabouret. Ah, je le chique. Toi, tu t'es détaché du tabouret, mais lui, il a un petit peu de mal quand même. Ouais, bah moi, j'ai une autre priorité là. On essaie de me tuer. Il y a tous mes amis qui veulent me tuer, il y a même moi-même. Donc elle réagit de manière menaçante là. Donc.
Non, mais en fait, je suis pas crédible. Là, j'essaie de sauver quelqu'un plutôt de mon cul. Et évidemment, tout de suite, on se dit que c'est pas moi, quoi. Il fait clairement pas partie de notre équipe, lui, essayer de sauver des gens. Enfin, elle essaie de sauver des gens. Voilà, tu vois, une fois, elle fait une action qui est pas vraiment très, très extrême neutre. Voilà, je vais le payer. Vérité, la vérité, c'est que Rava, elle essaie toujours de sauver tout le monde. Techniquement, on se rappelle d'une certaine troll, je sais plus quoi, qui s'est fait proprement décapiter alors qu'il s'était rendu. C'était pas un être humain, c'était un troll. Enfin, Et c'est toi qui l'as décapité, je crois que c'était Martha. C'était Ravabella. Parce qu'elle avait peur que je génère et qu'elle les réattaque après. Voilà. Tu vois, une fois tu fais un truc extrême neutre, on s'attend à ce que tu le fasses toujours. Voilà, du coup, je chope Bertrand, j'essaie de le foutre sur mes épaules avec son tabouret. Je dis, ouais, ben on y va, on réglera le problème des doubles après. Alors, donc là, tu t'es avancé pour essayer d'attraper Bertrand. Ouais. Donc, Bertrand, essaie de le sortir de là. Très bien. Du coup, je le tire pour la, tu sais, sur le dos en mode sac de patates ou les prises que tu mets sur les épaules, quoi. Vu qu'il est obligé de rester allongé à cause de son tabouret, parce qu'on n'a pas pensé à le libérer du tabouret, tu vois, ce serait plus simple. Non, on n'a pas le temps. C'est comme les doubles, on n'a pas le temps, on verra plus tard. Ben, c'est la fin de mon tour, je pense. Hein. Ah oui, sans problème. Donc on a l'autre Ravabella qui n'entend rien à tes appels au calme et à tes appels à l'amour, qui a décidé d'en finir une bonne fois pour toutes avec son double. Elle est aussi douée que toi au combat, c'est quelque part... Non mais ça va être un combat de figurant de... À toi, tu peux tenter de répliquer tant bien que mal avec ton banc. J'essaie pas de répliquer pour la frapper, j'essaie de la répliquer pour la repousser pour pas mourir moi-même. Donc tu te protèges tant bien que mal avec. Je tiens mon banc comme une lance et je laisse la pousser en arrière. Donc tu te protèges tant bien que mal avec le banc, tu la repousses en arrière. Et donc elle ne voit vraiment que toi et qu'une envie réelle et folle d'en finir avec toi. Et donc là, Scroc, il va falloir que tu réapparaisses. Tu fasses un choix. Il va falloir que je fasse un choix, oui. Le choix, c'est toi. Tu es le choix. Et là, en voyant ce qui se passe, qu'est-ce que je peux... Est-ce que j'ai vu quelque chose de différent? Est-ce que je reste toujours sur ma première... Mais je sais pas. Je ne connais pas. Je sais pas à quel point est-ce que tu connais. Tu connais Ravabella Maki, Ryzen. Ah, on a en discuté. Quand même un moment, pas mal de temps avant justement. Des années, hein. Oui. Mais donc, est-ce que la Ravabella que tu connais serait celle qui tenterait de sauver des gens en se défendant, ou est-ce que ce serait celle qui tenterait d'égorger des gens manifestement sans armes, sans armure et ne représentant aucun danger? Non, je vais... oui, t'as raison. Je vais buter celle qui défend le mec. techniquement, je peux pas lui en vouloir. Hein. La technique à faire à Babella, c'est vrai que... Si elle s'en était servie comme bouclier humain, tu vois, ça aurait pu encore être crédible, mais là, je peux pas lui en vouloir. Donc j'apparais dans son dos et puis je lui fais une attaque sournoise. Lui fais le cul, on dit. Non, sérieusement, tu attaques celle qui est en nuisette? Bah oui. Et tu critiques? Et il critique. Ou ça va faire mal, ça? Dommage, hein. Fin de règne. Alors, loin de moi l'idée de remettre en question, mais par contre je comprends pas la décision pour le coup. Ou alors je connais vraiment rien au personnage de Ravabella. Parce que pour moi c'était pas... Voilà, je l'ai vu en armure, enfin voilà, pour moi c'est pas... Oui, c'est logique.
Et en plus, il a fait une ruse et elle a celle qui était à côté de lui, et elle a bien dit. Enfin, elle a répondu comme il faut. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, moi. Non, mais enfin, très bien, sans problème. Je comprends juste. Arrêtons sur toutes les fingers, comme ça, Maki ne s'enrage pas. Donc tu plantes Ravabella qui s'effondre dans une mare de sang dans la vase et la boue, peut-être la première, tandis que l'autre affiche une mine satisfaite. Bien, on peut partir maintenant. Là, il y a un grand blanc. Donc, on y va, là, on est en train de s'inonder, là, il faut y aller. Là. Ouais, de fait, le niveau est toujours en train de monter. Donc, faut qu'on trouve la sortie. On a récupéré la coupe, alors, on a récupéré Bertrand, Bernard, je sais plus. On y va, quoi. Alors, Berthold, soit toi, effectivement, sans problème, une fois que tu ouvres la porte, tu constates qu'elle mène vers une teinturerie déserte, vers un atelier de teinturerie déserte. Okay. Et si jamais vous allez voir l'autre escalier, il mène vers une ruelle qui mène à de l'autre côté, en fait, du quartier des teinturiers, lui aussi désert. Ok. Donc vous sortez sans problème. Tu es Ravabella ? Bah après Maki peut jouer l'autre PNJ, mais j'avoue que c'est une scène que je trouve surréaliste. je comprends pas tout, mais c'est pas grave. Donc vous sortez dans les ruelles. Vous avez donc Bertrand, vous avez la coupe, vous avez tout. Okay. Sauf, mais du coup, elle nous a pas suivi. Le roi des enculés. Le roi des enculés qui, manifestement, s'est déjà enfui. Oh putain. Et l'autre Ravamela nous a pas suivi en fait. En tout cas, vous ne l'avez pas vu vous accompagner dans l'immédiat. Mince. Bah, tant pis. Désolé. Est-ce que je vais faire... Mais de toute façon, Bertrand, pour moi, c'est un ennemi. Hein. Bertrand, dans mon bah oui, pour moi, c'est le mec qui a tiré la coupe. Ah oui, la Ravabella, elle défendait le mec qui avait tiré la coupe. Je vois pas pourquoi j'aurais été voir l'autre qui m'a en plus bien répondu. Et à ma question, je veux dire, il y a tout qui s'enchaînait, quoi. Je veux dire, je comprends, mais quand même, t'es censé savoir que le mec qui se faisait passer pour Bertrand, c'était pas lui, quoi. C'est pas comme si on lui avait arraché un doigt, c'est pas comme si... Bon, on sait pas où il est, d'ailleurs, cette personne, c'est dommage, hein. Mais c'était pas Bertrand. Je veux bien que t'aies une certaine vision, mais là, quand même... Tu tires très très vite des conclusions, mais bon, mais comme tu le sens. Mais la scène se tient. Enfin, je ne remets pas en question. Je remets pas en question les choix de. Moi non plus. Hein. Je remets pas en question les choix d'Osrock. Je suis juste abasourdi parce que je ne m'attendais réellement pas à ce que ça se joue comme ça. En fait, le problème de la scène, Léo, en fait, elle est biaisée parce que on sait ce qui s'est passé. Il y a pas eu. T'aurais dû te mettre à part avec Maki. Et je suis désolé, mais c'est vrai que c'est chaud de se dire. Oui, mais bon, c'est elle, c'est pas elle. Enfin, je serais pas te dire pour ça. Par contre, je trouve que pour Bertrand, bon, même si je l'aime pas particulièrement, le fait que tu veuilles le buter maintenant, je trouve ça un peu balèze. Mais vas-y, de toute façon, je suis pas là. Donc, fais comme tu le sens. Ah, mais j'ai pas dit que je voulais le tuer. J'ai dit que je dis, je comprends pas ce qui, tu vois, je comprends pas ce qui se passe. Si Bertrand en part, tu vois, moi pour moi en fait, moi l'impression que j'avais c'est il est là, c'est un enculé, je vais me le faire aussi, tu vois. C'est...
Donc là, Bertrand, à l'heure actuelle, est sur les épaules de Martha. Oui. Et donc, emmené à l'extérieur. Donc là, vous êtes dans les rues de Vix sous la pluie. Et vous avez récupéré la coupe. Moi, je suis tout seul. Hein. Et là, d'un coup, on se retourne. Je me retourne pour voir qui nous a suivis. Et il manque Bertolt et... Oui, j'ai vu qu'il était parti au sud, enfin au sud, par rapport à la map. Oui, ça, j'ai pas forcément vu. Hop. Donc, il manque effectivement Bertolt et Ravabella. Oh, mince. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Enfin, si c'est possible, Razor, excuse-moi, j'ai l'habitude. Ce que je vais faire, Léo, c'est que je monte sur le toit à peu près de la maison, je regarde s'il y a du mouvement. Et au bout d'une petite minute, je vais refaire le chemin en... Enfin, je vais essayer le chemin inverse parce que je sais pas, voilà, je vais voir. Ok, donc oui, enfin, en l'espace de quelques secondes, de ton côté de la ruelle, tu ne vois pas de mouvement. Et tu ne vois pas particulièrement de mouvement. Enfin, après, c'est vrai que... Il s'est quand même passé pas mal de temps durant la nuit, donc peut-être que tu peux voir du mouvement, mais du moins les échoppiers qui commencent à préparer leur commerce. Mais si... j'ai pas de vision. Ouais, mais c'est pour voir s'il y avait des mouvements, genre, tu sais, des mecs qui se barrent en courant, des trucs comme ça, enfin, tu vois, des mouvements pas de ce panique, genre de mouvement, ou des mouvements de troupes, enfin, j'en sais rien, quoi. Ok. Pas écoute, ce genre de mouvement-là. Je vais refaire le chemin en sens inverse de l'autre côté. Et donc, en faisant le chemin en sens inverse de l'autre côté, tu vois l'escalier, tu vois le deuxième escalier. D'ailleurs, pour le coup, le niveau de l'ombre monte de plus en plus. Et tu vois le deuxième escalier, tu ne vois pas de traces des copains, tu vois juste le corps flotté de l'elfe en nuisette. Flotter doucement. Ok, bah écoute, je vais quand même voir qui c'est parce que moi j'ai pas assisté au. T'as l'occasion de voir effectivement. Tu vois que elle est sur le dos, donc tu visage vers le haut, elle flotte comme en faisant la planche en fait sur une table. Et tu te rends compte en fait, elle est posée sur une table qui elle-même flotte, donc c'est la table qui l'a fait flotter. D'accord. Et donc tu te rends compte que elle a en tout cas le visage de Ravabella. D'accord. Il n'y a rien d'autre autour. Il n'y a rien d'autre autour. Il n'y a rien d'autre autour, ok. Bon. Je vais voir s'il n'y a pas moyen que je récupère la dame, quand même. Ouais. Donc bah tu l'as su sans problème, de toute façon en plus elle est légère comme une plume, hein. c'est une elfette, et en la prenant tu vois donc tu entends soubrettement les quelques derniers battements de son cœur. Ah. Pour rappel, les PJ, quand ils sont amenés à zéro, ils ont une heure pour être stabilisés. Je regarde si j'ai pas un truc sur moi. Vous avez pas filé des choses ou je sais pas quoi? On avait des propres bases au tout début et entre temps on avait eu des élixirs de soins. Parce que pendant mon inventaire j'ai rien, mais il me semble, en fait c'est drôle, je crois que je me suis jamais fait toucher. c'est un peu le rôle du magicien de ne pas se faire toucher en même temps. Je vole et tout, donc pas de soucis. Et puis j'ai dépassé invisible, je me rappelle une fois quand ça puait. Bah écoute, si j'ai ce qu'il faut, je vais donner. Enfin, je sais pas ce que j'ai, donc on va dire que je vais au plus petit. Je crois que potion de soin, je crois. Une simple potion de soin, t'en as forcément, et c'est tout à fait suffisant. Après, sinon, c'est un D8. Normalement, j'y pense, j'ai l'élixir de soin à virer. Je l'avais utilisé tout à l'heure. Malheureusement, oui. Enfin, c'est pas toi, mais. Bah, de toute manière, il serait pas là. Parce qu'il serait pas là, c'est pas toi qui l'aurais eu. Et puis je vais voler tel Superman avec personne en détresse dans mes bras. Avec une Lois Lane crottée jusqu'au cou. Et puis là, réellement, je crois qu'il n'y a plus un centimètre carré de ton corps qui n'est pas crotté. Hein, mais... Oui, c'est pas grave, je suis pas conscient pour voir ce désastre. En me demandant quand même,
en me demandant quand même qu'est-ce qui a bien pu se passer. T'as absolument rien suivi de la scène. Non, moi j'ai rien suivi du tout. Donc je récupère et puis je vais essayer de voler et de voir si je vois des gens ou... Et si je trouve personne, enfin si je vois pas les autres parce que j'ai dû mettre du temps, je vais essayer de retourner à la taverne. Eh oui, qu'est-ce que vous faites vous les autres pendant ce temps-là? Parce que pour le coup, Bertolt, lui, il va tarder à émerger. Vous avez attendu Bertolt? Moi, je suis monté à l'extérieur dans la ruelle de l'autre côté du quartier des aventuriers. Et vu que je n'ai croisé personne, je redescends et vu que j'ai entendu bruit vers là, j'essaie de voir ce qui se passe. En fait, pour ce que j'ai compris, tout le monde remonte plus ou moins. Il n'y a que Bertolt qui est parti vers le sud, tout le monde est remonté plus ou moins vers l'escalier nord. Donc oui, effectivement, quand tu redescends, tu vois tout le monde là qui s'affole dans l'idée de s'enfuir. Enfin non, justement, moi, quand je me suis retourné et que j'ai vu qu'il manquait des gens, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Ils sont où? Alors, le double de Ravabella, pour le coup, si à un moment donné, vous redescendez pour le chercher, il est inconnu au bataillon. Nulle trace. À partir du moment où vous avez fait demi-tour pour le chercher, plus là. Oups, dit Jacroc, la scroc. Du coup, Bertrand, il dit pas. Oups, j'ai glissé. Madag a glissé. Redescendez finalement, les gars. Faut savoir, vous vous barrez ou pas? Non, mais après on y va. On a Bernard en train de crever. Moi, je suis pas très bien. Alors Bertrand, lui, il va bien, hein. Celui qui est en train de crever. C'est pas Bertrand ce qui s'appelle. Qui Bertrand? Ah non, mais c'est... C'est bon. Alors Bertrand, il est en train de crever de la vieillesse. Oui. C'est quelque chose de... Non. Ça risque de pas le rattraper tout de suite. À quoi on joue déjà? Je sais plus. Des fois, dès qu'on utilise... Du coup, on voit que Bertolt est en train d'essayer de stabiliser Ravabella. Ouais, disons que... Avec des vêtements. Disons qu'effectivement, à un moment donné, dans tout ce marasme, puisqu'on a été effectivement peut-être un petit peu vite avec Bertolt, vous le voyez à un moment donné émerger sous les cascades d'eau chatoyante et scintillante, d'eau pure. Vous le voyez donc... parfaitement... avec un sourire Colgate et une brise de d'air pur, mais vieux et couvert de crottes, quoi. Qui agite ses cheveux, c'est cela, et la barbe, et donc une elfette en nuisette. Ah, avez-vous besoin d'une potion? Il y a une sortie tout près si besoin. Et du coup, je dis, mais qu'est-ce que vous foutiez, les mecs? On y va là, maintenant, c'est bon. Là. En train de se noyer là quand même. Faudra qu'on... sortons d'ici, mais il faudra qu'on mette ça au clair parce que moi j'étais en train de poursuivre un mec qui s'était barré. Et je vois bien, il y a les Ravabella, elle est éclatée sur une table. En slip? Ah non, elle n'a pas de slip d'ailleurs. Avec rien. Avec rien. Donc bon. Barrons-nous. Enfin, je veux dire, on va pas rester là, il pleut. Non, mais faut se barrer. La coupe. Bon, tirons-nous, hein. Faut se barrer. Allons débriefer à la taverne. C'est ça. Donc, vous arrivez à la taverne alors que Dae était en train de veiller auprès du mourant. Les yeux embrumés de sommeil. L'aubergiste, lui, est parti se coucher depuis longtemps. Et donc, Bertrand se jette au chevet de son maître, en fait, pour le coup. Affolé de le voir dans cet état-là. Pourquoi on va donner à boire de la coupe à Ravabella? Il y a plus à manger qu'à boire là dans la coupe, je crois. Je savais pas les amis. On va la rincer. Je croyais que t'avais bu, excuse-moi. Et donc Bertrand vous dit, mais vite, je vous en prie, mon maître est en train de mourir. La coupe. La coupe. Non, c'est moi qui l'ai, la coupe aussi. En plus, il a pas vu qu'on l'avait récupéré, la coupe.
Non, mais le voleur se marie avec. Hein. Oui, mais attends, avant, j'aimerais que tu nous expliques comment ça se fait que tu aies refilé l'information au voleur. Là, parce que nous, on s'est fait arnaquer là, et toi, t'as disparu et tout. Mais j'ai été capturé par le roi. Il m'attendait ici, je sais pas, il devait certainement savoir. J'ai. D'ailleurs, oui, tu vois qu'il lui manque un doigt pour le coup. Non, c'est pas lui qui manque un doigt. C'est à l'autre. C'est à l'autre qui manque un doigt. Sinon, ça confirme la théorie de Scrog. merde. Et donc, Dae vous regarde tristement et dit, écoutez, de toute façon, je pense que malheureusement, c'est trop tard. Je n'ai pas l'impression qu'il soit encore des nôtres. Ah, bon, allez, c'est bon. Je donne la coupe. Fais-le boire quand même pour voir, mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Ça a l'air de faire des trucs bizarres. En plus de Qu'est-ce soigner les gens. Dire ça Je sais pas. Boire de l'eau marron, c'est doute. Jamais très bon. Quoi. En tout cas, il y a comme un doute. Tu devrais, franchement, enfin, petit aparté, tu devrais tout le temps masteriser comme dans la position T, parce qu'on imagine, c'est Dieu. On voit un salon avec personne, en fait. On entend une voix, tu vois, c'est la voix off. En fait, c'est juste que passer un certain stade, il faut que je marche. Donc, sinon, c'est pas possible. Après, des fois, on voit une braguette passer aussi, c'est sympa. Non, mais le pire, c'est que des fois, je me rends compte que je me recouche devant l'écran avec la main dans le. Donc, on n'a pas eu le gros plan sur les pieds non plus. Bon, vas-y, il va essayer de nettoyer la coupe là qu'on lui donne parce que moi j'en ai un peu. Vous nettoyez tant bien que mal la coupe et vous faites couler quelques gouttelettes d'eau qui ruissellent le long des lèvres et de la gorge du chevalier Arthos. Sans voir quoi que ce soit déglutir. Et puis au bout d'un temps qui semble interminable, sa peau finit par reprendre une teinte naturelle. Ses poumons se regonflent d'air et il semble reprendre vie sous vos yeux. Ah, tu vois. Un temps, les marbrures qui zébraient son corps des pieds à la tête semblent refluer comme la marée jusqu'à disparaître complètement. Dehors, la pluie commence à se calmer, les torrents d'eau commencent à se calmer, tandis que les nuages s'estompent un petit peu. Et alors que ça a tout l'air d'un happy end et que le chevalier réouvre les yeux avec une chanson de Walt Disney qui retentit, vous avez une silhouette fantomatique qui apparaît dans la pièce à vos côtés, une silhouette un petit peu translucide d'un vieil homme à barbe blanche. Mais légèrement translucide. Bertolt ? Il prend la parole. Je suis Gésimur d'Orphal, grand maître des traditions. Ma parole est sincère et véritable. Sa grâce, la reine Lysandre, souveraine de la principauté d'Arly, est décédée cette nuit. La reine est morte, vive le prince. Il se tourne vers le chevalier Arthos. Prince Tomar d'Arly, comme le veut la loi, vous devez vous rendre sans attendre au monastère de Valarion pour y subir l'épreuve des rois. Le conseil s'adjoint à moi pour vous présenter ses sincères condoléances et tous les vœux de réussite pour l'épreuve qui vous attend.